Consolez-nous du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Qui a fait de nous des croyants de sa parole. He has made us believers of his word. Et nous venons parce que nous croyons. And we come in because we believe. Et quand nous croyons, and when we believe, tout est possible à chacun de nous. All things are possible to each one of us. Amen. Donnons des acclamations, Seigneur. Let's give a hand of praise unto the Lord. Gloire à Dieu, man. Asseyez-vous. May be seated. Je vous salue tous ce matin. And I greet you all this morning. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. C'est encore un grand privilège. It is again a greater privilege. Que Dieu nous accorde d'être ici ce matin. That God is granting us to be here this morning. Dans sa maison. In his house. David avait dit, je suis dans la joie. And David said that I'm glad. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. When they say unto me, let us go into the house of the Lord. Et chaque fois que nous venons ici, nous sommes dans la joie. And each time we come here, we're joyful. Et nous venons avec expectative. And we come with expectations. Vous dites amen. You say amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont souhaité le souhait de la fête des pères. And I would like to thank aujourd'hui. All those that wish me happy Father's Day. Que le Seigneur vous bénisse richement. May the Lord richly bless you. Parce que Frère Branham dit, because Brother Branham says, votre pasteur, your pastor, est votre réel père. Is your real father. Vous croyez à ça? Y'all believe that? Que Dieu bénisse richement. May God richly bless you. Souhaitez aussi ça à vos parents s'ils sont vivants. Wish it also to your father if they're still alive. Ce serait une bonne chose. It will be a good thing. Et je viens d'apprendre une bonne nouvelle ce matin ici. And, I've just heard a good news this morning. Ok, mon petit frère là a pris la décision, il veut donner sa vie au Seigneur. And my younger brother has taken the decision that he'd like to give his life to the Lord. Après qu'il a écouté toutes ces profondeurs ici. After he has heard this deep word. Que Dieu soit loué pour ça. God be blessed for that. Nous voulons aller au ciel avec toute notre famille. We'd like to go to heaven with our entire family. La Bible dit le ciel est dans la joie. The Bible says the heaven is rejoicing. Quand un pécheur se repent. When a sinner repents. Nous continuons notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. We're carrying on with our teachings of the 70 weeks of Daniel. Le dimanche passé nous avons parlé sur le quatrième volume. Last Sunday we spoke about the fourth volume. Nous avons vu la fin de la dispensation des gentils. And we saw the end of the Gentiles dispensation. Et nous avons approfondi ce cinquième royaume. And we spoke deeper about this le royaume de la pierre de fer qui est venu détruire tous les royaumes de ce monde. The kingdom of the capstone that came to destroy all the kingdom of the earth. Ce royaume est venu et nous sommes les citoyens de ce royaume. And the kingdom came and we are the citizens of their kingdom. C'est déjà venu depuis 1963. It has come already since 1963. Le frère Branham est le précurseur de la venue de ce royaume. And Brother Branham is the forerunner of the coming de la venue de la kingdom. Pierre de fête. The coming of the capstone. Et nous avons vu comment les vents vont arriver. And we saw how the wind will come. Nous sommes maintenant dans la saison des vents. And we are now in the season of the wind. Des conflits pour amener la troisième guerre mondiale. Conflicts to bring the third world war. Pour écarter toutes les saletés de ce monde. To take out all the death of this et world. Et le vendredi j'ai essayé d'approfondir ici magnétiser à la pierre de fête. And on Friday I spoke deeper on being magnetized by the capstone. Combien ont été bénis par ça? How many were blessed by vous that? Devez être magnétisé. You need to be magnetized. À cette pierre de fête. To that capstone. Ce royaume that kingdom, qui passe comme un aimant that passes as a magnet, et qui prend les gens qui ont la même nature and takes people that has got the same nature. Parce que ce royaume là c'est le glorieux Saint-Esprit and I believe that kingdom is the Holy Spirit. Et il prend ceux qui ont cette vie là he takes those that have got that life magnétisé à la pierre de fer magnetized by the capstone. Alors ce matin nous voulons encore continuer now this morning we'd like to carry on pour entrer dans le volume 5 to get into the fifth volume. Alors nous entrerons de 8h à 10h. Now we'll go into selon from notre 8, chrono de l'enseignement. From 8 to 10 according to our clock of the teaching. Maintenant sans plus tarder. Now without delay. Croyant que vous êtes vraiment dans l'expectative. Believing that you surely are under expectation. Et vous essayez de comprendre ces choses. And you're trying to understand these things. Alors mettons-nous debout. Now let us all stand. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bibles. Dans le livre de Daniel. In the book of Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapter 9. Nous lirons les versets premier au verset 3, mais vous pouvez lire tout à la maison. You shall read from the first verse to the third, but the remaining verse chapter you read at home. Nous lirons du verset 20 au verset 27. We'll jump from verse 20 to 27. Daniel. Daniel. Chapitre 9. Chapter 9. Le verset premier. Verse 1. La première année de Darius, fils d'Assurus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres
qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant de la sac et la cendre. Nous sautons. We're jumping. Le verset 20. Verse 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit en s'entretenant avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour cesser, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, serrer la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un Noël sera retranché. Il n'y aura point de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et la sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. God bless the reading of his word. Daniel chapter 9 verse 1. In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the lineage of the Medes, who was made the king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, by the books, the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Then I set my face toward the Lord God to make requests by prayer and supplications with fasting, sackcloth, and ashes. Verse 20. Now, while I was speaking, praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and praising and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he offered me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to give you skills to understand. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in the troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The hand of it shall be with the flood. Until the end of the war, desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out
on the desolation. Prions. Let us pray. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Lord Jesus, our God. Toi, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament. You are the greater Jehovah of the Old Testament. Toi, le Dieu de Daniel, Seigneur. You are the God of Daniel, Lord. Ce jour-là, alors qu'il avait pris à cœur de jeûner et de prier. That day when he took it hard to fast and pray. De sonder les Écritures, Père. To search the Scriptures. Tu lui as envoyé l'ange Gabriel. You sent him the angel Gabriel. Pour ouvrir son intelligence. To open his understanding. Parce qu'il était un bien-aimé de toi. Because he was a beloved of thee. Seigneur, nous ne voulons pas en parler comme dans l'histoire ce matin. Lord, we don't want to speak about it like history this morning. C'est pourquoi toi, le même Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et dans les derniers jours. That's why you, the Lord Jesus Christ, the greater Holy Spirit of the Old and New Testament. Toi, l'ange puissant qui est venu à nous, Seigneur. You're the mighty angel that has come to us. Toi, le Dieu de William Branham. You're the God of William Branham. Toi, l'ange qui est toujours dans ces messages. You're the angel that is always in this message. Seigneur, ne nous laisse pas seul ce Lord, matin. Do not leave us alone this morning. Viens pendant que nous sommes en train de sonder ces écritures. Come as we searching the scriptures. Que ces mêmes anges glorieux. Let this same glorious angel. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de Gabriel. This time with only Gabriel. Mais que toi, l'ange puissant. But you, the mighty angel. Toi, l'ange de l'Éternel lui-même. You, the angel of the Lord himself. Toi, l'Éternel lui-même. You, the Lord himself. Toi, Christ. You, Christ. Viens dans un vol rapide. Come in a speed. Pour ouvrir notre intelligence. To open our understanding. Depuis la chair jusqu'au dernier banc. From the pulpit to the last chair. Give us understanding in our souls. Bénir, and bless us, Father. Ce matin, quand nous sortirons d'ici, so that this morning when we come out of here, each person experiences that they are surely beloved of you. Si nous avons des requêtes, Père, if we have requests, des Father, problèmes, problems, ou des supplications, or supplications, oh Dieu, oh God, exauce à chacun. Answer each one. Bénis-nous, Seigneur. Bless us, Father. Prends le contrôle de la chaise qu'au dernier banc. Take the control of the pulpit to the last chair. Que nous puissions sentir ta présence. May we feel your presence. Dans le nom tout-puissant de Jésus. In the almighty name of the Lord Jesus Christ. C'est notre prière. This is our prayer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen, asseyez-vous. Glory to God, you may be seated. Notre cinquième volume de ce matin. Our fifth volume of this morning. Dans notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. In our teaching of the 70 weeks of Daniel. Nous l'intitulons les instructions de Gabriel à Daniel. We entitled it the instruction of Gabriel to Daniel. Comme nous venons de lire là. As we have read. Dans Daniel 9. Daniel 9. Nous voyons là les instructions de l'ange Gabriel. We see the instruction of the angel Gabriel. À Daniel le prophète. To Daniel the prophet. Qui peut dire amen? Who can say amen? Remarquez, Daniel était déjà là-bas à Babylone. Now notice, Daniel was already there in Babylon. Depuis l'an 606 avant Jésus-Christ. From the year 606 before Jesus, project me the picture of the 70 weeks. Et comme il avait déjà atteint 68 ans là-bas dans le pays là de Babylone. Has he had reached already 68 years there in Babylon? Cela veut dire en 538. Meaning in 538. C'est là où l'ange Gabriel est venu à lui. That is where the angel Gabriel came toward him. Et nous avons vu précédemment qu'il était parti là-bas à 12 ans. And we saw previously that he went there when he was 12 years of age. Si vous ajoutez 12 ans plus 68 ans. If you age 12 years plus 68 years. Daniel avait exactement l'âge de 80 ans. Daniel was about 80 years of age. C'est là où Gabriel est venu à lui. That is where Gabriel came to him. En 538 avant Jésus-Christ. 538 before Jesus. Comme nous pouvons le remarquer dans notre tableau ici. As we can notice here in our board, in our picture. Observez que Daniel était parti à la première déportation. Notice that Daniel went in the first deportation. En 606. In 606. Parce que nous avons vu qu'il y a eu trois déportations. Because we saw that there was three deportations. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? La première déportation s'est faite au temps du roi Joachim. The first deportation took place in the time of the king Joachim. La deuxième est arrivée au temps du roi Joachim. The second took place in the time of the king Joachim. Et la troisième est arrivée au temps du roi Sédéchias. And the third took place in the time of the king Sédéchias. C'est là dans la troisième déportation. It's in the third deportation. C'est là où le temple a été détruit. Le 11 septembre. That's where the temple was demolished the 11th of September. C'est que les Juifs appellent Tisha B'Av. What the Jewish call Tisha B'Av. La destruction du temple. The destruction of the temple. Mais nous remarquons que Daniel est parti depuis la première déportation 606. Now we notice that Daniel went at the first deportation in 606. Et quand il avait déjà 68 ans là-bas à Babylone. And when he was already 68 years there in Babylon. Alors il avait atteint l'âge de 80 ans parce qu'il était parti à 12 ans. Now he reached the age of 80 because he went to the age of 12.
C'est là où l'ange Gabriel est venu le visiter. It is there where the angel Gabriel came to visit him. Aujourd'hui, nous sommes ici dans cette première partie du tableau. Today we are here the first part of the picture. Nous allons étudier de 606 à 538. We're going to study from 606 up until 538. Quand Gabriel est venu visiter Daniel. When Gabriel went to visit Daniel. Remarquez, frère Branham me dit ceci. Now notice, Brother Branham says this. Est-ce que vous aimez les prophètes? Do you love the prophets? Il dit ceci dans l'application des instructions de Gabriel. He says this in a sermon instruction of Gabriel to Daniel. Paragraph 72, the messenger of the hour says. Pardon, le prophète Daniel était à Babylone depuis 68 ans. The prophet Daniel was in Babylon since 68 years. Pour vous qui voulez consulter les références, si vous voulez économiser le temps. For you that want to check up with time to economize. Je cherchais ici 68 ans. 68 years I searched for it. Il était entré en captivité en 606 avant Jésus-Christ. He went in captivity 606 before Jesus Christ. C'est en 538 avant Jésus-Christ. It's in 538 before Jesus Christ. Et la vision lui est venue. That the vision came to him. Et vous voyez, and see, ça donne un 68. It makes it 68. Il était 68 ans qu'il était à Babylon. 68 years he was in Babylon. Au milieu des païens. In the midst of pagans. Il avait toujours la victoire. He always had victory. Qui peut dire amen? We can say amen. Nous ne pouvons pas tenir même une heure. We cannot even hold on to an hour. Mais lui, il avait été en plein dedans. But he was fully within. Il avait seulement trois compagnons avec lui. He only had three fellows with him. Et était ailleurs dans le royaume. And else in the kingdom. Ça dit Shadrach, Meshach, Abednego. Meaning Shadrach, Meshach, and Abednego. Mais Daniel qui était seul avec Dieu. But Daniel who was alone with God. Il avait gardé la victoire pendant 68 ans. He kept the victory for 68 years. Pensez ici. Think about it. Je ne vais pas me mettre à prêcher. I don't just want to be preaching parce here. Parce que c'est un message d'enseignement. Because it's a teaching. Mais pendant 68 ans. But for 68 years. Il avait gardé la victoire. He kept the victory. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu. He did not defile himself into God's sight. Sans même le baptême du Saint-Esprit. Without even the baptism of the Holy Spirit. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Because in the Old Testament, there was no baptism of the Holy Spirit. Sans même le sang de Jésus-Christ. Without even the blood of Jesus Christ. Qui intercède pour lui. Which intercede for him. En ce temps-là, c'était le sang des bouquets de taureaux. At that time, it was the blood of goats and rams. Il n'avait que le sang des bouquets de taureaux de génisse. Only the blood of goats and rams in Genesis. Il devait offrir en cachette. That they had to give in a hidden way. À cause de la tradition pagan de ce pays-là. Because of the pagan tradition of that country. On les avait they were brought in there. Jeremiah avait prophétisé qu'ils iraient. Jeremiah prophesied that they would go in there. Alors Daniel, il avait commencé à voir que le moment approchait. Paragraph 74. Paragraph 74. Daniel saw that the time was getting closer. Tout comme nous aujourd'hui. As much as us as well today. Daniel a commencé à voir. Daniel started to see. Par les lectures du livre. By the reading of the book. C'est pourquoi la Bible dit la première année du roi Darius. That's what the Bible says the first year of the king Darius. J'ai compris par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. I understood that it had to be time because of the book of Jerusalem. D'après le nombre dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. According to the number which the Lord spoke to the prophet Jeremiah. Jérémie en 606 avant Jésus-Christ. Jeremiah 606 before Jesus Christ. Avait prophétisé qu'à cause de leur péché. Prophesied because of the sin. De leur impiété, ils y resteront pendant 70 ans. The filthiness they remain in there for 68 years. Abraham says 76. Vous vous souvenez, il y a eu un autre prophète. You remember there was another prophet. Qui a paru cette époque-là, son nom est Meshach, c'était Ananias. That appeared there, his name was Ananias. Il a laissé dire aux enfants d'Israël, ce serait 2 ans. Un autre faux prophète. He told the children of Israel it would be two years. Jérémie a dit qu'il en soit ainsi, amen. Jeremiah says, so shall it be, amen. Attends un peu, moi et toi en tant que des prophètes. But hold it now. You and I as prophets. On va vérifier ça ensemble. We're going to check it together. Souviens-toi, y en a qui ont prophétisé avant nous. Remember here, there were those that prophesied before us. Ils ont dit des choses qui étaient fausses. That's the false things. Ils ont eu affaire avec Dieu pour avoir dit des choses fausses. They had to deal. God had to deal with them because alors, of saying false things. Alors soyons bien certains. And let's be certain. Le Seigneur Dieu m'a dit qu'il reste 70 ans. The Lord God told me that there is 68 years left. Dieu a frappé ses faux prophètes. 70 years left. God struck. God struck in the false prophet. Il lui ôta la vie cette même année. He took out his life from him parce that same year. Parce qu'il avait dit au vrai prophète
qui aura 70 ans. Because he told the false prophet that they will be 70 years. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, now, I would like to make you known, even if Daniel was a foreigner, même s'il avait été séparé de son peuple, even if he was taken apart from his people, séparé de son église, apart from his church, il n'avait pas de réunion de toute l'église, he did not have meeting for the entire church, pas d'église où aller, no church to go to, pas de cantiques à chanter, no songs to sing. Il pouvait chanter seul peut-être, he could sing perhaps alone, mais il était attaché à ce que le prophète avait dit. But he held upon what the prophet had said. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a big amen. Parce que Branham lui-même dit amen, amen. Because Branham himself said amen and amen. Pas d'église où aller, no church to go to. Personne avec qui fraterniser, no one to fellowship with. Tout le monde allait dans le temple des païens. Everyone was going to the temple of the pagans. Tout le monde adorait les idoles. Everyone worshipped idols. Pas de chant chrétien. No Christian song. Personne ne croyait la même chose que lui. No one believed as much as he is. Pendant 68 ans. For 68 years. Depuis qu'il était amené là-bas, since he was brought there. Il était un jeune homme de 12 ans. He was a young man of 12 years. Il est resté fidèle à Dieu. He remained faithful to God. Il a compris par le prophète Jérémie. He understood through the prophet Jeremiah. Que les jours étaient presque écoulés. That the days were getting closer. Quel sentiment de mise en garde devait animer le cœur de tout vrai prophète? What a joy should have brought up into the heart of every genuine prophet. Le vrai prophète de Dieu aujourd'hui. A true prophet of God today. Quand nous nous tournons vers le passé pour voir, when we turn to the past to see, c'est vrai le prophète a dit, it's true the prophet said, que nous avons, nous sommes, que nous sommes au temps de la fin. That we are at the end time. Combien peut dire amen? How many can say amen? Dans les six buts, tu dis ceci. In the six purposes, he paragraph 26, says. Il dit maintenant, paragraph 26 said, now. Pour faire un petit retour en arrière sur les passages de l'Écriture, nous avons lu. To go nous back and repeat what we have learned. Nous avons vu que Daniel était en captivité pendant 68 ans. We saw that Daniel was in captivity for 68 years. Pensez-y. Think about it. Ceux d'entre vous qui ont des papiers et des crayons. Those of you that have got papers and pencils. 606 à 538. 606 to 538. 68 ans. 68 years. Sans église où aller. Without church to go to. Sans prédication à écouter. Without preaching to listen to. Mais il avait les livres et les rouleaux. But he had the book and the scrolls. Ce qu'un prophète avait dit avant lui. What the prophet said before him. Vous savez que quand Jérémie parlait, il avait son écrivain appelé Baruch. Now when Jeremiah was speaking, there was his writer before him that was called Baruch. Qui mettait les paroles de Jérémie dans les rouleaux. That was putting the words of Jeremiah in writing in the scroll. Un type de la voix de a type of the voice of God today. Quand Jérémie de ces jours a parlé, when Jeremiah of this day spoke, c'est pourquoi la voix de Dieu c'est comme un Baruch. That's why the voice of God is like Baruch. Il a mis ses choses dans les rouleaux. He put the things in a scroll. Comme nous sommes au temps des bandes de brochures. As we are in the time of spoken words and brochures. Et nous aussi, si nous voulons comprendre le temps de la fin, if you also want to understand the end time, nous devons consulter les rouleaux. We must check the scroll. C'est seulement dans les livres et it's les brochures. Only in the books and the brochures. C'est là où nous comprendons dans quel that's where we'll understand which time we're living in. C'est why il faut respecter la voix de Dieu. That's why you need to respect the voice of God. C'est Baruch au temps présent. It's the present Baruch. Et Daniel n'avait, Jérémie n'avait pas plusieurs écrivains. And Jeremiah did not have many writers. Le seul écrivain autorisé par Dieu. The only authorized writer by God. Il s'appelait Baruch. His name was Baruch. C'est pourquoi la même chose arrive aujourd'hui. That's why the same thing happens today. Les seuls qui ont le droit de traduire. The only one that has got the right to translate. C'est la voix de Dieu. Is the voice of God. Et tout celui qui veut entendre Jérémie. And all those that want to listen to Jeremiah. Veut avoir des rouleaux de Jérémie. They want to have the scroll of Jeremiah. They must take it from Baruch. C'est quoi la voix de Dieu si vous voulez traduire? That's what the voice of God if you want to translate. Vous devez avoir la permission. You must have permission. Parce que c'est Baruch qui avait le droit d'auteur. Because Baruch is the one who had the title deed. La parole ne change pas. The word doesn't change. Et les croyants aussi ne changent pas. And believers also don't change. Qui peut dire amen? Who can say amen? Combien peut dire amen? How many can say amen? Frère Branham dit continue. Frère Branham says, let us carry on. Mais il avait en plein dedans. But he was fully within. Tu vois, il était là. He was there. Il dit, Branham dit. Branham says. Il avait les rouleaux. He had a scroll. Donc, on étudiait les écritures. Now, while studying the scriptures, il a vu que le temps était presque écoulé. He saw that the time was close by. Que la période de 70 ans. That of the 70 weeks. Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait prononcée. Daniel solemnly believed each word that the prophet pronounced. Qui peut dire amen? Who can say amen? Daniel croyait chaque parole. Daniel believed each word. Tu dois être le type de Daniel. You must be the type of Daniel.
De croire chaque parole. To believe each word. Prononcé par William Branham. Pronounced by William Branham. Vous voyez? You see. Et ce que je dis à mon auditoire ce soir. And what I'm saying to my auditorium tonight. Oui, mais si en effet la parole de Dieu est venue au prophète. Yes, sir. Surely the word comes to the prophet. Ils ont les ainsi dit le Seigneur. They have the that said the Lord. Un vrai prophète. A true prophet ne s'écarte jamais de ce que l'autre prophète avait déjà dit. Doesn't go away or astray from what the previous prophet had said. Daniel ne peut pas s'écarter à ce que Jérémie avait dit. Daniel cannot go astray from what Jeremiah said. Frère Branham ne peut pas s'écarter à ce que la Bible avait dit. Frère Branham cannot go astray from what the Bible says. C'est quoi lui il a dit j'ai prêché comme Paul. That's why he said I preach like Paul. Branham ne peut pas s'écarter à Paul. Frère Branham cannot go astray from Paul. Et chaque prophète ici aussi. And each prophet here as well. Chaque prédicateur. Each preacher. Ne peut pas s'écarter. Cannot go astray. À ce que William Branham a from dit. What William Branham said. Voilà la confirmation d'un vrai prophète. That is the confirmation of a true prophet. Voilà la confirmation d'un vrai homme de Dieu. That is a vindication of a true man of God. Il ne peut pas s'écarter. He cannot go astray. À ce qui a été dit avant lui. From what was said before him. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Because it is a that said the Lord. Ce sont des principes que je vous lis là. Those are principles that I'm reading donc unto you. Donc en étudiant les Écritures. Now by reading the Scriptures. C'est là où pendant qu'il était en prière. It is there when he was in prayer. Un ange puissant est venu du ciel. A mighty angel came from heaven. Quelqu'un peut donner ce nom? A person can give the name. L'assemblée répond Gabriel. The congregation answers and says Gabriel. Gabriel est l'ange de l'église des Juifs. Gabriel is the angel of the Jewish church. Madame dit combien savent ça? Madame says how many knows that? C'est toujours Gabriel. It's always Gabriel. Il est le messager de l'église. He is the messenger of the church. Il est un des grands anges du ciel. He's one of the great men of heaven. C'est ce qu'il a apporté à frère Daniel. That's what he brought to Daniel. Une merveilleuse salutation de la part de Dieu. A wonderful greeting from the Lord. Une merveilleuse salutation. A wonderful greeting. Oh Daniel. Oh Daniel. Tu es un bien-aimé. You are a beloved. Et Dieu te dit ce matin. And God bless this morning. Tu as le privilège d'écouter ces choses. You have got a privilege to listen to these things. Parce que tu es un bien-aimé. Because you are a beloved. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Remarquez le prophète Daniel. Now notice the prophet Daniel. De la famille princière. From the prince family. Daniel appartenait à la famille de David. He belonged to David's family. Il était de la famille des princes. He was from the prince family. Et il était établi à Babylone. He was established in Babylon. Depuis 68 ans. From 68 years. Il entra en captivité en 606. He got in captivity in 606. Avant Jésus-Christ. Before Jesus Christ. Et la visite de l'ange Gabriel lui vint en 538. And the visit of the angel Gabriel came to him in 538. Avant Jésus-Christ. Before Jesus Christ. Vous voyez, après, vous ne devez pas oublier ce que je vous ai enseigné avant. Afterward, you should not forget what I've taught you before. Après Salomon, after Solomon, le royaume était divisé en deux. The kingdom was divided into two. Il y avait le royaume de Juda plus Benjamin. There was the kingdom of Judah plus Benjamin. Dont Roboam, le fils de Salomon, était roi. Which Roboam, the son of Solomon, was king. Et il y avait les 10 tribus qui étaient partis avec les Jéroboam. There was the 10 tribes that went with Jeroboam. Observez que les 10 tribus étaient déjà dispersées comme je vous avais enseigné. Now observe the 10 tribes had already split as I taught you. Depuis 721 avant Jésus-Christ. 721 before Jesus Christ. Par les Assyriens. By Assyrians. Maintenant ça restait la tribu de Juda. Now it remained the Judah's tribe. Et la tribu de Benjamin. And Benjamin's tribe. Comme capitale Jérusalem. As capital Jerusalem. C'est eux que Nabucodonosor est venu détruit. They are the one that Nabucodonosor came to destroy. Si vous les comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Et en les détruisant, il y a eu 3 déportations. And by destroying him, there was 3 deportations. La première déportation, 606. The first deportation, 606. Sous Joachim. Under Joachim. Daniel est parti dans ce groupe-là. Daniel went in that group. Avec Shadrach, Meshach, Abednego. With Shadrach, Meshach, and Abednego. Tu vois, Daniel avait 12 ans. Look, Daniel was 12 years of age. La deuxième déportation, c'est 597. The second deportation is 577. Tu vois, la deuxième déportation, 597. The second one was in 577. Vous voyez, c'est là où est parti les autres encore. That
to where the second one went. Au temps de Jojakim. In the time of Jojakim. Et la troisième déportation. And the third deportation. Est arrivé en 586. Happened in 586. Sous Sédécias. Under Sédécias. Et là le temple a été détruit. And there the temple was demolished. Alors vous voyez que. Now you see that. Israël a cessé d'exister. Israel stopped existing. Parce que même les 10 tribus n'existaient plus. Because even the 10 tribes do not exist. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? C'est un enseignement. It's a teaching. Les 10 tribus n'existaient plus. The 10 tribes do not exist. Même les 10 tribus n'existaient plus. Even the 12 tribes do not exist. Donc Israël a cessé d'exister en tant que nation. So Israel stopped existing as a nation. Alors Daniel, quand il était là-bas pendant 68 Then ans. Daniel, while he was there for 68 years. C'est-à-dire il était parti à 12 ans, il avait maintenant l'âge de 80 ans. Meaning he went at the age of 12 and he became, he was 8 Daniel, years of age. Daniel, en partant, il avait pris les rouleaux de Baruch. Daniel, while he was going, he took the scroll of Baruch. Baruch était l'écrivain. Baruch was the writer. Du prophète Jérémie. Of the prophet Jeremiah. Daniel, même s'il était en Babylone, gloire à Dieu. Daniel, even if he was in Babylon, il ne pouvait pas oublier les livres de Jérémie. He couldn't forget the book of Jeremiah. Cela veut dire qu'il ne peut pas manquer les bandes et les brochures. That means you shouldn't lack having the tapes and brochures. Un véritable chrétien. A true Christian. Partout il voyage. Wherever he goes. La première chose qu'il met dans sa valise. First thing he put in his suitcase. Il doit mettre sa Bible. He must put his Bible. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Et dans ce message, and in this message, il doit ajouter les brochures. He must add brochures. Parce que ce sont les rouleaux que tu vas consulter. Because those are the scrolls that you will consult. Beaucoup ici n'ont même pas de Bible. Many here don't even have Bibles. Honte à vous. Shame on you. Beaucoup n'ont même pas les brochures. Many don't even have brochures here. Ils n'ont même pas les cassettes. They don't even have tapes. Mais ce n'était pas Daniel. That wasn't Daniel. Même s'il partait en déportation. Even though he was going to deportation. À l'esclavage. In slavery. Mais il s'est fait accompagner. But he went along with. Par les rouleaux. The scroll. Par le livre de Jérémie. By the book of Jeremiah. Écrit par Baruch. Written by Baruch. Et Daniel a commencé à étudier. And Daniel started to study. Daniel avait lu la même Bible que nous lisons. But Abraham says that Daniel read the same book that we're reading. Mais dans le livre de Jérémie. But in the book of Jeremiah. Daniel a étudié Jérémie 25. Daniel studied Jeremiah 25. Le verset 4. Verse 4. Il a étudié Jérémie 25, 11 à 13. He read Jeremiah 25, 11 to 13. Il a ajouté 2 Chroniques 36, 21. He added 2 Chronicles 36, 21. Et il était là en train d'étudier la parole. And he was sitting there studying the word. Quand Jérémie donnait la prophétie, when Jeremiah gave the prophecy, il a dit vous serez en captivité pendant 70 ans. He said you'll be in captivity for 70 years. Lui le prophète qui avait l'insigne du Seigneur. He the prophet that had a tag said the Lord. Un faux prophète s'est levé. A prophet stood. Son nom était Ananias. His name was Ananias. Il dit non c'est 2 ans. He said no it's 2 years. Jérémie a dit d'accord. Jeremiah said all right. On va voir qui est le vrai prophète. We shall see who's the true prophet. Quelques jours Dieu a tué le prophète là. Few days after God killed that other prophet. Parce que quand vous contredisez le vrai prophète, when you withstand a true prophet, la sanction de Dieu, God's punishment, c'est la mort. It's death. Dites amen. Say amen. En ce temps-là, c'était la mort physique. At that time, it was physical death. Vaut mieux même mourir physiquement. You rather die physically. Mais aujourd'hui, but today, c'est la mort spirituelle. It's spiritual death. Tous ceux qui contredisent Frère Branham. All those that contradict Frère Branham. J'aimerais leur informer. I want to announce them today. Pas qu'ils seront morts. Not that they will die. Ils sont déjà morts. They are already dead. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Des faux prophètes célèbres. False prophets are standing up, rising. Même dans le message. Even in the message. Parce que les prédicateurs du Nouveau Testament. Because preachers of the Old Testament. C'est un of the New Testament. The prophet of the Old Testament. Mais comment reconnaître un vrai prophète? But how do you recognize the true prophet? Il est fidèle. He is faithful. À ce que le premier prophète avait to dit. What the first prophet said. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a big amen. C'est un principe. It's a principle. Pour que vous ne soyez jamais séduits. So that you should never be deceived. Ne suivez pas un prophète. Don't follow a prophet. Ou un prédicateur. Or a preacher. Parce qu'il est bien habillé. Because he's well dressed. Non. No. Ne le suivez pas. Don't follow him. Parce qu'il a l'argent. Because he has money. Non. No. Ne le suivez pas. Don't follow him. Parce qu'il parle bien. Because he speaks well. Non. No. Ne le suivez pas. Don't follow him. Parce qu'il fait les miracles. Because he performs miracles. Non. No. Comment le connaître? How do you know him? Observez-le. Observe him. Est-ce qu'il est fidèle? Is he faithful? À ce que les autres prophètes. To what other prophets said? Frère Branham est confirmé. Confirmed. Il était fidèle. He was faithful. À Paul. To Paul.
dites amen. Say amen. Et Zakola est confirmé. And Zakola is confirmed. Et vous êtes confirmé. And you are confirmed. Si nous restons fidèles. If we remain faithful. À ce que Frère Branham. With what Brother Branham saying. C'est pourquoi il a crié. That's why he shouted. Il dit reste avec ce message. Stay with this message. Il nous a dit de rester avec les miracles. He says stay with miracles. He says, stay with the pastor. Reste avec ce message. Stay with this message. Je vous rencontrerai. I will meet you de l'autre côté. On the other side. Combien veut dire amen? How many can say amen? Daniel est resté. Remained. Et quand il est resté, and when he stayed, remarquez, now notice, qu'est-ce qu'il a compris? What did he understand? Daniel a compris par les livres. Daniel understood through the book. Instruction to, of Daniel to of Gabriel to Daniel, paragraph 84. On ne comprend pas la parole. We don't understand the words. Seulement par jeûne et prier. Just by fasting and praying. Oui, il a jeûné, il a prié. Yes, he's fasted and prayed. Mais il était là assis. But he was sitting. En train d'étudier. Studying. Pour comprendre. To understand. Parce que l'évidence du Saint-Esprit. Because the evidence of the Holy Spirit. C'est la compréhension claire. Is the clear understanding. De la parole de ton temps. Of the word of your time. Quand quelqu'un ne comprend pas la parole. When somebody doesn't understand the word. Il n'a pas le Saint-Esprit. He doesn't have the Holy Spirit. Même s'il a une vie sanctifiée. Even if the person has got a sanctified life. La sanctification c'est la seconde étape de la grâce. Second, the sanctification is the second step of grace. Mais le Saint-Esprit. But the Holy Spirit. Jésus a dit. Jesus said. Quand le Saint-Esprit vient. When the Holy Spirit shall come. Il vous enseignera ces choses. He will teach you these things. Il vous fera comprendre. He will make you understand. Ce que je vous ai dit. What I told you. Amen, tabernacle. Amen, tabernacle. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est la compréhension. It is the clear understanding. Clear. Des Écritures. Of Scriptures. Sir. Sisters. On ne comprend pas la parole parce que tu as étudié. You don't understand the word because you have studied. Mais on comprend par le Saint-Esprit. But you understand by the Holy Spirit. Quand vous ne comprenez pas la parole dans when cette église. You don't understand the word in this church. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. It's because you don't have the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est la compréhension. It's understanding. C'est pas le don. It's not gift. C'est pas le prophétie. It's not prophecy. C'est la compréhension. But understanding. Clear understanding. Des Écritures. Of Scriptures. Il a sondé les livres de Jérémie. He checked up the book of Jeremiah. Il a sondé Jérémie 25. He studied the book of Jeremiah 25. Écrit par Baruch. Written by Baruch. Jésus a dit. Jesus said. Sondez les Écritures. Search the Scriptures. C'est en elles que vous trouvez la vie et la vérité. It's in it that you find life and truth. L'erreur des pharisiens. Or the mistake of Pharisees. Ils allaient à l'église. They were going to church. Ils étaient saints. They were holy. Mais ils ne sondaient pas les Écritures. But they were not searching the Scriptures. Ils ne connaissaient pas la profondeur des Écritures. They did not know the deepness of the Scriptures. Jésus n'a pas dit lisez les Écritures. Jesus never said read the Scriptures. Mais il a dit sondez. But he said rather search. Il y a une différence entre lire et sonder. There is a difference between reading and searching or studying. Quand on dit sonder veut dire. But Abraham says to search deeper. Suivre means, la piste. Meaning follow the links. Surveiller. Following. Il dit ça dans exposé page 230. In exposition page 130. Vous devez sonder les Écritures. You must search the Scriptures. Et Frère Branham est venu ajouter. Frère Branham came to add. Étudiez ce message. He said, study this message. Ce n'est pas lire seulement. It's not just reading. Dans la lecture là. In that reading. Tu fais une étude. You must do a study. C'est quoi dans Dieu dévoilé il dit. That's what the unveiling of God he says. Vous qui prenez les bandes et les brochures. You that are taking tapes and brochures. Je prie Dieu. I pray God. De vous donner une compréhension. To give you understanding. De ce que Dieu a voulu dire dans cet âge. Of what God wants to say in this age. Le dire carrément. Without saying it openly. Cela amène les saints à s'en aller. Amen. It brings others to go, to les leave. Les autres à exagérer. Others to overdo it. Mais l'épouse. But the bride. Aura la compréhension. Will have the understanding. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. Oh mes amis. Oh friends. Ayez le temps de sonder le message. Have time to search the message. Que tu sois une femme ou un homme. May you be a man or a woman. Sondez le message. Search the message. Madame dit étudiez ce message. Madame says study this message. Et les pasteurs vous disent. And pastors are telling you. Nous ne voulons pas les choses profondes. We don't want deep things.
Parce qu'ils ne sont pas l'épouse. Because they're not the bride. L'épouse étudie le message. The bride studies the message. Comme à l'université, étudie. Like in university, you study. Étudie ce message. Study this message. Un vrai prophète, a true prophet, ne s'écarte pas de ce qu'un autre prophète a dit. Doesn't go astray from what another prophet said. C'est là où Daniel a compris. That's where Daniel understood. Que maintenant en étudiant, that now by studying, en sondant, by searching, en surveillant, by watching, en poursuivant la piste, by following the link, il a compris que oh, he said oh. Maintenant c'est 68 ans. He understood that now it's 68 years. Si c'est 68 ans, if it's 68 years, ça nous reste 2 ans. And 2 years remaining. Il comprenait les prophéties. He understood prophecies. Il était prisonnier du prophète Jérémie. He was prisoner to the prophet Jeremiah. Il était dans la prison de ce que Jérémie avait dit. He was in the prison of what Jeremiah said. Tu vois, Frère Branham était prisonnier de la Bible. That Obama was a prisoner of the Bible. Et nous sommes prisonniers de ce message. And we are prisoners of this message. Pasteur, c'est la vérité? Pastor, is it the truth? Oui. Yes. C'est ce que Dieu dit à Josué. That's what God said to Joshua. Josué chapitre 1. Joshua chapter 1. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. I will be with you as I was with Moses. Mais la seule manière d'être avec toi. But the only way to be with you. Que tu sois prisonnier. May you be a prisoner. De ce livre de la loi. Of this book of the law. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas. Let this book of law not go away from your mouth. C'est là où tu auras du succès. That's where you will succeed. Que ce livre du message. Let this book of the message. Ne s'écarte pas de nos bouches. Never go away from your mouth. Voici le secret du succès. This is the secret of the success. Voici le secret de la puissance. This is the secret of the power. Que ce message. Let this message. Ne s'écarte pas de ta vie. Never go away from your life. Même à l'école. Even at school. Même au marché. Even in your market. Même dans le mariage. Even in your wedding, même marriage. Partout. Even all over. Tu ne s'écarte pas du message. May it not go away from the message. Tu es là, Frère Branham dit ceci. You say, Brother Branham says this. Frère Branham dit ceci. Says that dans chaque situation, in each situation, tu dis ce que le prophète a you dit. Say what the prophet said. Daniel est resté attaché. Daniel remains stick to it. Jérémie était déjà parti. Jeremiah had gone already. Mais lui il est resté 68. But he remained 68 years. J'aimerais informer les frères du message. I want to inform brothers of the message. Ça fait aujourd'hui 52 ans. Today it's now 52 years. Depuis que Frère Branham est parti. Since Brother Branham left. Il est parti en 65. He went in 65. Mais but dans les 52 ans, in the 52 years, nous devons rester. We need to remain. Rester comme prisonniers. Stay as prisoners. À ce que Frère Branham avait déjà of what Brother Branham had already said. C'est là où tu auras du succès. That's where you'll succeed. C'est là où Zakola a du succès. That is where Zakola succeed. Les autres pensent que j'ai la magie. I don't think that it's magic. Ou j'ai de quoi que ce soit. I don't think it's whatever mais it is. Voici la magie que j'ai. Now behold the magic that I have. Voici mon secret. Behold my secret. Je reste prisonnier. I remain prisoner. À ce que le prophète a dit. Of what the prophet say. Attention mon frère. Now careful brother. Je ne reste pas prisonnier. I remain prisoner. Dans les choses qui me plaisent. And I don't just remain prisoner with things même that si I belong ça to me Allah. Condamne. Even if it condemns me. Mais moi je reste fidèle. But I remain faithful to it. Qui peut dire amen? We can say amen. Même si ça te condamne, even if it condemns you, tu restes fidèle. You remain faithful. Restez fidèle. Stay faithful. Et remarquez que là il a compris. Now notice they understood que c'est 70 ans. That it's 70 years. La captivité devait durer 70 ans. Captivity had to last for 70 years. C'est un mystère. Projetez-moi le tableau de 70 ans. It's a mystery. Project unto me the picture of 70. La mathématique de Dieu. God's mathematics. Pour leur captivité, for the captivity, c'est dans le nombre 70. It's in the number 70. Un frère dit, frère Zakola, tu aimes beaucoup les chiffres. A brother said to me once, brother Zakola, you love numbers. Et quand j'ai vérifié chez vous en Bandaka, and when I checked there back in Bandaka, on m'a dit tu étais très fort en mathématiques. I was told that you are so powerful in mathematics. J'ai dit tu es un païen quand tu me dis ça. I said you are a pagan when you said that to me. Je n'aime pas la mathématique parce que j'étais brillant à l'école. I don't love mathematics because I was an overall student j'aime at school. J'aime la mathématique de Dieu. I love God's mathematics. Parce que Jérémie de ces jours, because Jeremiah of this day, le prophète Branham dit, prophet Branham said, que la Bible, that the Bible, est écrit mathématique. It's written mathematics. Si vous ne comprenez pas les nombres, he says, if you do not understand numbers, vous ne pouvez pas avoir la compréhension de la Bible. You will not have the understanding of the Bible. Il dit, n'oubliez pas vos trois. He says, don't you forget your three, vos cinq, your seven, vos five, sept, your seven, vos douze, your 12, vos 14, your 14, vos 21, your 21, vos
28, your 28, 30, your 30, 50, your 50, 70, your 70, 70, your 120, 500, your 500, 1000, your 1000. Parce que c'est les nombres, because those are God's numbers. Qui peut dire un grand amen? We can say a big amen. Alors nous sommes dans 70. Now we are in 70. Pourquoi c'est 70? Why is it 70? Pourquoi 70 ans? Why is 70 years? Parce que, because le nombre 70, the number 70, c'est un nombre mystère. Is a mystery number. Dans la mathématique de in la Bible. God, in the mathematics of the Bible. Adam et Eve avaient 70 enfants. Adam and Eve had 70 children. C'est écrit où? Where is it written? J'ai reçu un prophète. I received a prophet. Qui a fait un voyage. That traveled. Et il a compté les enfants. And he counted the children. Il a eu 70 enfants. And they had 70 children. Filles et garçons. Boys and girls. Qui peut dire amen? Who can say amen? Le premier Adam. The first was Adam. C'est pour cela. That is why. Gédéon aussi. Gideon also. Dans la Bible. In the Bible. Avait 70 enfants. Had 70 children. Que les 70 enfants là. The 70 children. C'est là où l'enfant bâtard. That's where the illegitimate child. Les avait tué par une pierre. Killed them with a stone. Pour avoir le royaume. To have the kingdom. C'est pour cela. That is why. Quand Jésus-Christ est venu. When Jesus Christ came. Il a eu 70 disciples. He had 70 disciples also. Luke 17:10. C'est pour cela. That is why. Jésus est le second Adam. Jesus the second Adam. Qui peut dire amen? We can say amen. Et quand Branham est vieux, when Branham comes, lui l'Adam restauré, he the restored Adam, à son premier parti du ministère, in his first part of the ministry, Branham avait une église de 70 personnes. Branham had a church of 70 members. Une bonne église. But a good church. C'est pas le nombre qui compte. It's not the number that counts. Satan compte ses enfants. Satan counts his children. Mais Dieu pèse ses enfants. But God weighed his children. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Vous voyez? You see? C'est pour cela. That is why. Quand il les envoya à Moïse. When he sent to them Moses. Et ils sont arrivés à Kadesh Barnea. They reached Kadesh Barnea. Ils ont douté de la parole. They doubted of the word. Pour entrer dans le pays. To get into the land. Kadesh Barnea c'est le trône du jugement. But Abraham says Kadesh Barnea is the throne of judgment. Alors c'est là où Dieu s'est révélé comme Jehovah Rapha. That's where God revealed himself as Jehovah Rapha. Il y avait 70 palmiers. There were 70 palm trees. Ils devaient se reposer sous 70 palmiers. They had to lay down upon 70 palm trees. Exode 15:27. Exodus 15:27. Et pour cela. But for that, Jacob, quand il est parti en Égypte, Jacob, when he went in Egypt, pour suivre Joseph, to follow Joseph, la Bible dit, the Bible says, il a amené 70 personnes. He went with 70 people. Tous ses enfants et ses petits-enfants. His children and his grandchildren. Genèse 46:27, Exode 1:5. Genesis 46:27 and Exodus. C'est pour cela. That is why. Dans Genèse 10. In Genesis 10. Quand Noé est sorti de l'arche. When Noah went out of the ark. On cite les petits-fils de Noé. They count the little children of Noah. Qui vont former 70 nations pour remplir la terre. That form 70 nations to form the earth. Ils sont au nombre de 70. They are in number 70. Ils vont former 70 nations. They form 70 nations. C'est pour cela. That is why. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Le sacrifice dans la fête. The priest in the sacrifice in the feast. Dans la fête des tabernacles, in the feast of tabernacles, ils devaient offrir 70 taureaux. They had to offer 70 pour sanctifier les 70 nations. 70 bulls to sacrifice the 70 nations. Zacharie 14:16-19. Zechariah 14:16-19. That's why. Quand la tour de Babel a été détruite, when the tower of Babel was destroyed, avant ils parlaient une seule langue. They used to speak one language. Mais quand cela a été détruit, but when it was destroyed, le monde a eu 70 langues. The world had 70 languages. Toutes les langues viennent de ces 70 langues. All the languages come from the 70. Si vous les comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Nous sommes dans la mathématique. We are in the mathematics. C'est pour cela. That's why again. Quand David vient, when David comes, il dit la durée de la vie de l'homme. He said the average life of a man. Dieu l'a placé dans 70. God placed it in 70 years. Psaume 90:10. Quand vous vivez là, that's why when you're living, vous êtes dans le mystère de 70. You are in a mystery of number 70. Après 70 ans, tu ne serviras à rien. After 70, you become useless. La Bible dit, that's what the Bible says. Apprends-moi à compter mes jours. Help me to count my days. À gérer mes années. And manage my years. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est pour cela. That's why. La Bible dit encore. The Bible says again. La durée de la vie d'un roi. The lifespan of a king. Isaïe 23:15. Isaiah 23:15. It's 70 years. C'est quoi, vous voyez qu'un véritable roi. Now, you see a true king. Vous voyez, c'est un mystère. You see, it's a mystery. David a vécu 70 ans. David lived 70 years. Salomon. Salomon. Tous les vrais rois. All the true kings. Un vrai roi. A true king. Était loin à 30 ans. Was anointed at the age of 30. L'âge de 30 ans, c'est l'âge de l'adoption. The age of 30 is the age of adoption. Jésus était loin à 30 ans. Jesus was anointed at 30. Qui
peux dire amen? We can say amen. David est devenu roi à 30 ans. David became a king at 30. Salomon à 30 ans. Solomon at 30. Un Lévite pouvait servir dans le temple. A Levite could serve in a temple. À 30 ans. At 30 years of age. Sacrificateur. He became a priest. C'est l'âge de l'adoption. Is the age of adoption. Je vais pas vous attaquer là-dessus. I don't want to attack you on that one. Il y a des gens de 30 ans qui n'ont rien fait dans la vie. There are people at the age of 30 that did nothing in their lives. Tu es là, tu es dans la maison des parents. You are still under your parents' life. Tu manquais ton appel. You have lacked your calling. Tu vois, à 30 ans. That to the age of 30. C'était en 2006. It was 2006. C'était le réveil de la dynamo. It was the revival of dynamo. Vous voyez, ça ne manque pas. You see, it doesn't lack. Vous qui êtes au-dessous de 30 ans. You that are under 30 years of age. Occupez-vous des affaires du père. Be busy with the father's business. Qui commence à 12 ans. And you start from 12. Pour qu'à 30 ans. So that at the age of 30. Deviens un homme. You become a man. Respecté. Respected. Positionné. Positioned. Adopté. Adopted. Dans la vie. In life. Qui peut dire amen? Who can say amen? Oui. Yes. Et David a régné 40 and Daniel and David ruled for 40 years. Parce que 40, c'est une génération. Because 40 is a generation. Et il est mort. And he died. Salomon est devenu roi à 30. Solomon became a king at 30. Il a régné 40 ans. He ruled for 40 years and he died. C'est comme ça toujours. It's always like that. La durée de la vie d'un roi. The average age of a king. C'est toujours 30 ans. It's always 30. 70 ans, pardon, je voulais dire. I meant 70. Il sera roi à 30 ans. He will be anointed at 30. And you must understand it. C'est pour cela. That's why. Vous voyez? You see. La captivité devait durer 70 ans. The captivity had to last for 70 years. Comme à Babylone. Like in Babylon. Jérémie l'avait prophétisé. Jeremiah prophesied. Parce pourquoi? Why? Dieu leur a dit que quand vous n'honorez pas le septième jour. God told him when you don't honor the seventh day. Et vous n'honorez pas la septième année, l'année du relâche. And you do not honor the seventh year, the year of release. Je vous punis. I punish you. Et vous serez là 70 ans. You'll be there 70 years. 7 fois 10. 7 times 12. Vous voyez? Si. Vous voyez pourquoi? That's why. Quand Dieu vient lui révéler. When God comes to reveal unto quand him. Quand il étudie 70 ans. When he studies 70 years. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Dieu lui révèle 70 semaines. God reveals unto him 70 weeks. Tout est dans les 70. Everything is in 70. Qui sera la durée des Juifs sur la terre? Which will be the average age on the earth? C'est pourquoi quand Jésus est venu. That's when Jesus came. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? How many times should I forgive my brother? Jésus a compris la mathématique. Jesus fulfilled the mathematics. He says, you must forgive him 70 times. Amen. Say amen. Oh, le frère m'a troublé, je suis fatigué. Oh, the brother troubled me and I'm tired. Pardonne-lui 70 fois. Forgive him 70 times. Et fois 7 âges encore. And 7 ages again. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Tout est mathématique. Everything is mathematics. Les gens qui ne pardonnent pas. People that do not forgive. Des problèmes, ils disent, je ne pardonne a pas. A problem, I don't forgive. Et vous saurez ici que vous n'êtes pas dans la mathématique. And you know here that you are not in mathematics. Vous voyez? C'est pourquoi Abdon avait 70 anneaux. Et 70 des animaux là. The animal. Pour régner avec, il était juge. For him to become a judge. C'est pourquoi quand Jésus parle de la destruction de Jérusalem. That's when Jesus speaks about the destruction of Jerusalem. C'est à l'an 70. It's in the year 70. Que Jérusalem a été détruit par Titus. That Jerusalem was destroyed by Titus. Selon la prophétie de Jésus. According to the prophecy of Jesus. C'est pourquoi même la Bible que that's vous why, avez. The Bible that you have. Cela est écrit par 70 écrivains. That's why it's written by 70 writers. Par exemple, 70 prophètes. The Bible says 70 prophets. Vous voyez? You see, c'est pourquoi frère Branham dit ce sont des aigles. Branham says they are eagles. C'est pourquoi il dit que dans le monde, that is in the world, il y a que 70 sortes d'aigles. There are 70 sorts of eagles. Un mystère des écrivains de la Bible. A mystery of writers in the Bible. Un mystère des prophètes. A mystery of prophets. Parce que 70, hein, that was 70, c'est 7 fois 10. It's 7 times 10. Dieu prend ça dans Genèse. God takes it in Genesis. Tu travailleras 6 jours. You'll work 6 days. Le septième jour. And the seventh day, le repos. The rest. Vous voyez le sabbat. You see the Sabbath. Le jour du repos. The day of the rest. C'est pourquoi Dieu fait 7 fois 10. That's what God does 7 times 10. C'est le symbole de la perfection humaine. It's a symbol of a perfection of humankind. C'est le symbole de la plénitude. And a symbol of the flow and the et fullness. Et de la responsabilité. And responsibility. Et de l'activité de Dieu. And God's activity. C'est pourquoi Dieu. That's why God. Leur a puni que vous serez là-bas 70 ans. Say you'll be dead. Tout le peuple qui était parti. All the people that went. Dans la déportation, ils sont partis 18 000 personnes. In the deportation, they went 18,000 people. À Babylone. In Babylon. Tous ont commencé à oublier. They all started to forget.
Mais Daniel n'a pas oublié ce que le prophète avait dit. But Daniel never forgot what the prophet said. Aujourd'hui, beaucoup de frères dans le message. Today, many brothers in the message. Et des pasteurs. And pastors. Tellement qu'on pensait que l'enlèvement se fera vite. As we thought that the rupture will be so quick. Comme ça prend du temps. But now, as it's delaying. 52 ans après le départ de William Branham. 52 years after the departure of William Branham. Beaucoup commencent à oublier. Many are forgetting. Parce qu'ils ont eu de l'argent. Because they've got money. Ils sont devenus grands. They became greater. L'amnésie est entrée. Amnesia got in. Ils commencent à oublier. They start forgetting. Ce que le prophète avait dit. What the prophet said. Mais vous. But you. Daniel. Vous. Les bien-aimés du Seigneur. The beloved one of the Lord. Même si le monde continuera 100 ans. Even if the world will last for 100 years again. N'oubliez pas ce que Branham a dit. Don't you forget what Branham said. Est-ce que vous me le promettez? Do you promise that to me? Restez avec ça. Stay with it. Que l'argent. Money. Les voitures. Cars. Ou la pauvreté. Or poverty. Ou les problèmes. Or problems. Ne puisse pas vous amener. May it not bring you. À oublier. To forget. C'est ça Daniel. That's Daniel. Même s'il souffrait, even if he was suffering, il n'a pas oublié. He did not forget. Même dans la fosse au lion, even in the lion's den, il n'a pas oublié. He did not forget. Même quand il est devenu troisième even personnalité, when he became the third personality, il est devenu grand. He became great. Mais il n'a pas oublié. He did not forget. Promettez-moi ça. Promise me that. Beaucoup quand ils sont devenus des grands, many when they become great, quand ils étaient des petits when pasteurs, when they were little pastors, ils restaient avec Frère Branham. They were staying with Brother Branham. Vous les voyez dans les messages? You see them in the message? Maman Bombo est là. Maman Bombo is here. Quand on avait cri, when we believe, c'était Frère Branham. Does Brother Branham say? Mais quand ils sont devenus grands, but as they became great, tu vois Maman Bombo? You see Maman Bombo? Ces gens-là sont dans la Bible. Those people are in the Bible. C'est le groupe qui était parti en captivité. Those are the troop that went in captivity. Mais ils n'ont pas été comme Daniel. But they were not like Daniel. Ils ont oublié. They forgot. Ils oublient les messages. They're forgetting the message. Ils ne lisent plus la parole. They are no longer reading the word. Ils disent à l'église ce qu'ils pensent. They are saying to the church what they want. Daniel n'avait pas ses propres pensées. Daniel did not have his own mind. Il savait que Dieu a pensé. He knew that God thought. Et Jérémie a parlé. And Jeremiah spoke. Sa place est de croire. And his place is to believe. Donc vous les voyez aujourd'hui, non? That's why you see them today. Le pasteur a dit ceci. The pastor said this. Notre église. Our church. Non. No. You see, amen. He and amen. Vous n'avez pas droit de me croire. You don't have the right to believe me. Je n'ai pas les ainsi dit le Seigneur. I don't have a that said the Lord. La seule manière de me croire. The only way to believe me. Je vous lis ce que Jérémie a dit. I read what the Jeremiah said. N'oubliez jamais le message. Don't you ever forget the message. Même dans la pauvreté. Even in poverty. Même dans la souffrance. Even in suffering. Même dans la gloire. Even in glory. Restez avec ce message. Stay with this message. C'est ça Daniel? That's Daniel. Et quand il est resté, and when he stayed, c'est pour étudier. Is to study. Pas pour lire. Not to read. Mais étudier. But study. Et il a compris. And understood. Quand vous étudiez, when you study, Dieu vous donne la compréhension. God give you the understanding. Le peuple avait oublié, mais pas Daniel. People forgot, but not Daniel. C'est un mystère. It's a mystery. Observez ici, ça me now donne la joie. Here, it rejoices me. Daniel a compris. Daniel understood. Par les livres de Jérémie. By the book of Jeremiah. Qui peut dire amen? Who can say amen? Say big amen. William Branham a compris. William Branham understood que nous sommes au temps de la fin. That we are at the end time. Par les livres de la Bible. By the book of the Bible. La Bible, ce sont les prophètes. The Bible is our prophets. Frère Branham a compris par Paul. But Branham understood by Paul. Par tous les prophètes. By prophets. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et Zakola a compris. And Zakola understood. Par les livres de Frère Branham. By the book of Brother Branham. L'épouse comprend. The bride understands. Les vrais Ephésiens 4 comprennent. The true Ephesians 4 understand. Par les lettres de l'amour. By the book of love. On comprend dans ce message. We understand this message. En dehors de ce message. Outside of this message. Il n'y a pas de compréhension. There is no understanding. Qui peut dire amen? Who can say amen? Tu veux comprendre? You want to understand? C'est dans les livres de Frère Branham. It's in the book of Brother Branham. Zakola a compris. Zakola understood. Par les livres de Frère Branham. By the book of Brother Branham. Donc Baruch, la voix de Dieu m'envoie. Which Baruch, the voice of God, sent to et me. Nous sommes maintenant près de l'enlèvement. And we are closer to the rapture. Mais les pasteurs ont oublié. But pastors forgot. C'est why ils commencent à penser qu'on restera ici. That's why they think that we'll remain here. Ils baptisent maintenant les royaumes. They're baptizing or they're building now the kingdoms. En Babylon. In Babylon. Tel tabernacle à Jobu. Such tabernacle in Joburg. Un autre à Paris. Another one in Paris. Un autre là-bas. Another one over there. Partout. Everywhere. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? What are they looking for? Ils cherchent de l'argent. Looking for money. Parce qu'ils ont oublié. Because they forgot.
Que l'enlèvement à la porte. That the rapture is at hand. Mais moi je m'en fous. And I don't care. Que je puisse avoir une grande église ou une petite. May I have a bigger or smaller church. Mais l'essentiel. But the important one. C'est de rester avec Jérémie. Is to stay with Jeremiah. Béni soit ces oiseaux. Blessed be these birds. When I say béni soit celles-là. But I want to say blessed be those. Daniel a gardé la voix de Jérémie vivant. Daniel kept the voice of Jeremiah alive. Pendant que Jérémie était absent. While Jeremiah was absent. Jérémie n'était pas à Babylone. Jeremiah was in Babylon. Mais Daniel. But Daniel. A gardé. Kept. Sa voix vivant. His voice alive. Et frère Branham dit. And Branham says. Dans la religion de Jézabel. In Jezebel religion. Il dit béni soit ces corbeaux. He says blessed be these ravens. Ils sont noirs. They are black. Un corbeau c'est un oiseau noir. A raven is a black bird. Mais il a un peu le blanc ici. But it's got a little bit of white. When I'm the béni soit ces oiseaux. But Abraham says blessed be these birds. Il dit béni soit ces prédicateurs. He says blessed are these preachers. Qui gardent la voix d'Élie vivant. That keep the voice of Elijah alive. Pendant que Élie est dans la gloire. While Elijah is in the glory. Même si frère Branham est dans la gloire. Even if Abraham is in glory. Mais sa voix. But his voice. Est vivant. Is alive. La voix du septième ange. The voice of the seventh angel. Il est vivant dans les bancs. He is alive in the tent. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Dans les brochures. In brochures. Et il est vivant. And he's alive. Pendant qu'un corbeau. While there is a raven. Le répète pour vous. That is repeating it for you. Qui peut dire amen? Who can say amen? Dis béni soit ces oiseaux. Blessed be those birds. Le corbeau c'est un oiseau maudit. A raven is a cursed bird. Au temps de Noé. In the time of Noah. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais au temps d'Élie. But in the time of Elijah. Il a changé. It changed. Un oiseau béni. A blessed bird. Je vais attendre un amen. I hear amen. Tu peux être maudit. You can be cursed. Par tes parents. By your parents. Mais au temps. But in the time. Tu gardes le message. When you keep the message, you will change. Ta bénédiction, your blessing deviendra dans will la become la malédiction, your curse deviendra la will become a blessing. La maladie, your sickness deviendra la bonne becomes a good health. La captivity deviendra la délivrance. Becomes deliverance. Gloire à Dieu. Glory to God. Vous voyez, you see, pendant que nous sommes à Babylon, while we're in Babylon, dans ce corps de chair, in this body of flesh, vous devez garder, you must keep ce que Jérémie avait dit. What Jeremiah said. Daniel a pris à cœur. Daniel held in heart. Il faut prendre ça à cœur. You must have it at heart. Dans le cœur, c'est là où il y a la foi. At the heart, that's where there is faith. La Bible dit il a pris à cœur. The Bible says he held in heart. Quand il prend cœur, when he held in heart, il a commencé les jeûnes. He started fasting. Et les prières. And prayers. Et les confessions. And confessions. Vous venez ici sans jeûner. You come here without fasting. Les gens ne gênent plus. People don't fast no more. Quand vous prenez la chose à cœur, when you take something at heart, vous gênez, you fast, vous priez, you pray, et vous confessez vos and péchés. And you confess your sins. Peu importe qui va se moquer de no toi. No matter who will mock you. Daniel a fait ça pour Dieu. Daniel did it for God. Il confessa ses propres péchés. He confessed his own sins. Et le péché de son peuple. And the one of his people. Pas seulement du royaume de Juda. Not only Judah's kingdom. Il dit même pour Israël. He says even the one for Israel. Les gens ne confessent plus leur vie. People do not confess their lives. Ils cachent ça. They're hiding it. Tu vas mourir. You'll die. Daniel a confessé. Daniel confessed. Par la prière. By prayer. Vous voyez? Si. Et quand il confesse. And when he confesses. Pourquoi? Why? Après confession et prière. After confession and prayer. Un ange vient vers lui. An angel came toward him. Chaque fois que tu pries. Each time that you pray avec un cœur sincère, with a sincere heart, tu as purifié ta vie, you purify your life. Sache-le aujourd'hui. Keep in mind today. L'ange viendra vers toi. The angel will come toward you. L'ange viendra vers toi. The angel will come toward you. Et remarquez pourquoi 70 ans. Now notice why 70 years. Dans les instructions de Daniel Gabriel, paragraphe 83-88. In instruction of Daniel to Gabriel, paragraph 83-88. Dieu a voulu qu'il reste là-bas 70 ans. God wanted him to stay there 80 years. Pourquoi? 70 years, why? Qu'il puisse souffrir pendant 70 ans. To suffer for 70 years. Pourquoi? Why? Frère Branham dit. Frère Branham says. Est-ce que vous le croyez? Do you believe this? Frère Branham dit qu'ils sont restés là-bas 70 ans. Frère Branham says they stayed there for 70 years. Parce que 70 ans. Because 70. C'est toute une vie. It's an entire life. David a dit. David said, tu as mis nos vies pendant 70 ans. You put my life in 70 years. Qu'il puisse passer là-bas toute une vie. May he stay there an entire life. Parce que dans 70, because in 70, comme un roi était ou à 30, as a king was anointed at the age of 30, il devait durer 40 ans. He had to last
For 40 years, 40, une génération, 40 is a generation. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Pour que toute cette génération là, so that in all those generations, des incrédules, of unbelief, puisse mourir, may die. Mais que les jeunes, but the young, puissent revenir, may come back. C'est pourquoi Daniel est parti jeune. That's why Daniel went the young. 12 ans. 12. Lui n'avait pas participé à l'incrédulité. He not partake in unbelief. Tout ce monde-là sont morts. All the other people died. Pendant que l'enlèvement tarde. While the rapture is delaying. Vous verrez beaucoup vont mourir. You see many will die. Et ils sont déjà morts. And some have died already. Spirituellement. Spiritually. Dieu a voulu raser cette génération pécheresse. God wanted to sweep out all the sin in the world. De cette génération des incrédules. The generation of unbelievers. Puisse disparaître. May disappear. Et ils ont disparu. And they disappeared. On les a enterrés à Babylone. They were buried in Babylon. Alors que la résurrection se fera dans le pays. While the resurrection will take place in the land. Ils sont morts. They died. Quand ils sont finis, when they finished, c'est là où Dieu vient les libérer. That's where God comes and set them free. C'est pourquoi cela devait durer 70. That's why it had to last for 70 years. Et Daniel par la prière, and Daniel through prayer, et par la confession, and confession, est-ce que vous me suivez? Are you following me? Daniel, quand il a prié, il a commencé à confesser. When Daniel prayed and confessed, la réponse de Dieu à Daniel, the answer of God to Daniel, Dieu lui envoie Gabriel. God sent him Gabriel. Un messager. A messenger. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Lisons quelque chose que Frère Branham dit de merveilleux. Let's just read something that Branham says wonderful. Quand il a confessé, il a prié. When he confessed and prayed. Daniel a compris. Daniel understood. Que ça reste 2 ans. That there is 2 years left. Qui peut dire amen? Who can say amen? Qu'est-ce que nous comprenons? What are we understanding? Frère Branham a dit mes amis. Frère Branham says friends. Dans les instructions paragraphe 89. In the instruction the paragraph 89. Le prophète de Dieu dit ceci. The prophet of God says this. 89. 89. Il dit ceci. He says this. Dans le temps de prière, il dit, oh Dieu. In the time of prayer, he says, oh God. Si y a un temps où nous devrions nous mettre en prière. If there is a time that we need to put ourselves in prayer. C'est bien maintenant. It's right now. Car nous qui sommes des vrais serviteurs, because we that are genuine servants, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre Paul, we can see through the letters of Apostle Paul, par le Saint-Esprit qui nous met en garde, by the Holy Spirit that is putting us in reserve, that we are in the last days. Dans les derniers jours, les hommes seront emportés et enflés d'orgueil. In the last day, people will be boosted, proud and full of themselves. Quand vous voyez les gens très orgueilleux, when you see people are so proud, vous étudiez ça et vous comprenez que c'est la fin. You study that and you see that is the end. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. They will love pleasure more than God. Si c'était le football ici, if it was soccer here, ou regarder le théâtre, or watching soapies, tout le monde devait venir écouter. Everyone would have come here and listened to that. Mais les gens n'aiment plus la parole. People don't love the word no more. Des frères qui ne viennent pas à l'église pour rester regarder un match de football. Brothers don't want to come to church. They're remaining at home to watch soccer. Ils aiment le plaisir. They love pleasure. Plus que Dieu. More than God. C'est la fin des temps. It's the end of time. Qui peut dire amen? Who can say amen? Je comprends que les gens seront déloyaux. I understand that people will be disloyal. Calomniateurs. Boosters. Tu vois, ils insultent. They're insulting. Un frère insulte le pasteur. A brother insulting the pastor. Ils sont en train de calomnier les gens. They're busy undermining other people. Intempérant. They can't be reserved. Moindre problème, il veut te tenir. A little problem, they want to hold you on. Ennemi des gens de bien. Enemies of those that are doing good. Le meilleur bien que Dieu peut te donner, c'est en t'apportant la parole. The good that God can do unto you is by bringing unto you the word. Ils deviendront ennemis des gens qui prêchent bien la parole. They will be enemy of those that are preaching well the word. Comment tu peux être mon ennemi? How can you be my enemy? Alors que je te fais du bien. When I'm doing good unto you. Quand je vois ça. When I see that. C'est un signe de la fin. It's the sign of the end. J'ai compris par les lettres. I understood through the letters. Je comprends qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. That there will be mockers in the last days. Je comprends qu'une nation se lèvera contre une nation. I understand that the nation will rise against another nation. Les moqueurs vous diront. Mockers will tell you.
Mais quand les bombos avaient écrit, nous étions des enfants, nos mères se sont mariées, où est l'enlèvement? Mon frère, on a encore du temps. They will tell you that when Bombo got married, they were still preaching, they were still children. Je comprends qu'il y aura des rats. Je comprends qu'il y aura des rats de marée. There will be misunderstandings. Vous voyez comment cela avait balayé les pays là-bas en Asie? You see how it went in Asia? Les tsunamis que vous voyez là? Tsunami. C'est la prophétie de la Bible du temps de la fin. It's the prophecy of the end time. Je vous avais prêché ça à Yovo. I preached it in Yovo. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront voir. There will be things that will make you see. Comme des soucoupes volantes. As flying saucers. Ils appellent ça les extraterrestres. They're calling them ghosts. Mais Frère Branham nous a donné la réponse. But Brother Branham gave us the answer. En dehors des humains ici. He says outside of human being here. Dieu n'a pas une autre planète où il y a des êtres vivants. God does not have another planet where there are living beings. Mais d'où viennent les ovnis? But where are they coming from? Les objets volants non identifiés. Unidentified flying saucers. La science n'aura pas de réponse. Scientists will not have answers. Mais le septième ange a dit. But the seventh angel said. Ce sont les anges. Those are angels. Enquêteurs du jugement. They are coming for judgment. Quand nous voyons ça, la fin est là. When we see that the end is near. Ils viennent pour nous enlever. They're coming to rapture us. Il dit qu'il y aura des choses mystérieuses. There will be mysterious things. Il dit que je comprends que c'est un temps. He says I understand that it's a time. Le temps de l'angoisse. The time of grief. J'ai lu qu'il se rassemblera tout dans les derniers dans un conseil écuménique. I saw now that they'll be gathering in an ecumenical council. Dans les dénominations. In denominations. Ils formeront la marque de la bête. They will make the mark of the beast. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? C'est un signe de la fin. It is the time of the end. Apocalypse 13. Revelation 13. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux. I understand that women will cut their hair. Quand vous vous coupez vos cheveux. Women, when you're cutting your hair. Moi, je comprends. I understand. Et voici un signe de la fin. Behold a sign of the end. Une femme ne se coupe pas les cheveux. A woman should not cut her hair. Son mari a le droit de la répudier. And the husband has got a right to send her away. Qui peut dire amen? Who can say amen? Je comprends. I understand. Que ils porteront les hauts talons. That women will be putting on high heels. Ah, yes, sir. Les sœurs d'amen. Sisters of amen. Cher diacre Eddie. Dear Deacon Eddie. Frank. Laban. Simeon, Simon, quand vous voyez les sœurs, when you see sisters, avec les hauts talons, busy wearing high heels, en train de tondiner, busy bouncing around, si ne fait pas écouter, when they don't want to listen, comprends seulement que c'est un signe de l'enlèvement. Just understand that it's a sign of the rapture. Jetez vos hauts talons. Throw outside those your high heels. C'est un signe. It is a sign. Que toi tu es là un signe de la fin. When we see you, we understand that you are a sign of the end. Nous sommes dans une église mixte. We are in a mixed church. Même normal. Well, normally. Quand tu mets les hauts talons, when a woman putting on high heels, you start bouncing around. Et les sœurs disent qu'ils croient le message. And sisters are claiming to believe in the message. Ils portent les hauts talons. They putting on high heels. Alors que la Bible interdit. Why the Bible forbids you to put them on? Ils portent. It says they shall wear. Ils mettent le make-up. They put on make-up. Les rouges à lèvres. Lipsticks. Et Branham a dit. And Branham says. La première femme qui a mis ça, c'était Jezabel. The first Bible, the first person that put on lipsticks, it was Jezabel. Moi, c'est Frère Branham. I'm not the one, it's Brother Branham. J'aimerais rester fidèle. I want to stay faithful. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Il a dit, quand une femme met les rouges à lèvres, appelez-lui viande de chien. Yes, sir. He said, when you see a woman putting on lipsticks, you gotta call her dog food. C'est pourquoi Jezabel a été mangée par les chiens. That's why you notice that Jezabel was also eaten up si by dogs. Nous ne croyons pas à la beauté de make-up. Here we don't believe in the beauty of make-up. Madame dit restez naturel. Madame says stay natural. Et dit la beauté d'une bonne sœur. He says the beauty of a good sister. C'est celui qui vient dans la réunion. Is the one that comes in a meeting. Pour dire amen. To say amen. À ses enseignements. To these teachings. Je comprends. I understand. Je comprends. I understand. Que les femmes mettront les hauts talons. That women will put on high heels. Je comprends qu'ils s'habilleront avec des habits courts. I'll understand that they will put on short garments. Et mini jupes. Little skirt. Ou un peu plus loin ici. A little more here. A little bit in here to see them. Portez de longues jupes et de longues robes. Put on your long skirt and long dresses. Le corps d'une femme est sacré. The body of a woman is sacred. Moi, je me demande vous les hommes mariés ici. I ask myself, you married men in the church. Femme avant de sortir don't de la you maison. Check your wife before leaving the house? Tu es une féminine. You're such a sissy.
Je comprends qu'ils porteront les pantalons. I understand that they will put on trousers. C'est un signe de la fin. It is a sign of the end. Les autres viennent à l'église en jupe. Others are coming in skirts. Au travail, ils portent les pantalons. At work, they're putting on trousers. Parce que tu ne crois pas la parole. Because you don't believe the word. Tu veux vivre à Babylone. You want to live in Babylon. Mais nous comprenons que le temps de partir est arrivé. But we understand that the time to go has arrived. Je comprends que les gens ne croiront plus la parole. I understand that people will no longer believe the word. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers. I understand that preachers will be bad shepherds. Des faux pasteurs. False pastors. Ils ont peur de blâmer les brebis parce qu'ils vont quitter, ils n'auront plus de dîmes. They are shy or no, they are scared to rebuke the sheep because they are scared that they will leave the church and what has si passed. Qui que vous soyez. In this church, whomever you are. Je te dirai exactement ce que Frère Branham a dit. I will tell you exactly what Brother Branham said. Si tu veux quitter, je m'en fous. If you want to leave the church, I don't care. Dieu enverra les élus. God will send the elect here. Les prédicateurs des compromis. Preachers full of compromises. Oui, même les anciens. Yes, even elders. Ils blâment les jeunes. They are rebuking young ou people. Les gens qui sont pauvres. Or people that are poor. Mais quand quelqu'un est riche à l'église. But when someone is rich in the church, le pasteur a peur. The pastor is scared to rebuke him. Il ne peut pas les blâmer. They don't want to rebuke that alors person. Alors qu'il supporte JB. But he's supporting a musician. Il est le président des hommes d'affaires. And it's putting him as a president of a businessman. Mais si c'était un pauvre. But if it was a poor person, you come here. No. No. Pas ici, amen. Not here, amen. Ton argent ne me fera rien. Your money will do nothing unto me. Amen. Say amen. C'est pas les quinoiseries. This is not a quinoisery, as they're calling it. Oh, I'm the one who makes him to live or be the way he is. It's not you. C'est Dieu. It's God. Tu peux me quitter aujourd'hui. You can leave me today. Tu amènera d'autres. God will send others. Qui peut dire amen? Who can say amen? Je comprends les compromis. I understand compromising. Les musiciens qui font des compromis, vous les voyez? Musicians that are compromising, you see them now. Pour l'argent. For money. Je comprends qu'ils n'auront plus d'amour. I understand they won't have love no more. Je comprends dans les derniers jours. I understand that in the last days. Il y aura la famine. There will be famine. La famine d'écouter la vraie parole. The mind of listening to the true word. Les gens chercheront la vraie parole. People will look for true word. Mais je comprends qu'en ce temps-là. But I understand in this time. Je comprends aussi que Dieu va envoyer Élie. But I understand that God will send Elijah. Je comprends aussi qu'il y aura un message. I understand there will be a message. Qui ramènera le cœur des enfants au père. That to bring the heart of the father to the children. Je comprends que les signes et les prodiges se produiront à l'église. I understand that the signs and wonders will take place in the church. Je comprends par les lettres de la parole. I understand by the letters of je the word. Je comprends que Israël deviendra une nation. I understand that Israel will be become a nation. Je comprends qu'il rétablira le culte dans le temple. I understand that they will establish the services in the temple. Je comprends que ce sera le moment du départ de l'église. I understand that it will be the time of the departure of the church. Qui peut dire un grand amen? We can say big amen. Vous voyez ici mes amis? You see here friends? Daniel a consulté, Jérémie l'a compris. Daniel consulted Jeremiah and he understood. Frère Branham a consulté la Bible. Frère Branham consulted the Bible. Il nous fait sortir ces choses. And he brought out all these things to us. Que c'est la fin des temps. That is the end of time. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Quand Daniel a compris, when Daniel understood this, Dieu lui a envoyé un message. God sent a message unto un him. Ange. An angel. C'était un archange. It was an archangel. Et la Bible dit l'homme Gabriel. And the Bible says the man Gabriel. Ça veut dire il est venu dans la forme homme. That means he came in a human form. Il n'est pas venu avec les ailes. He did not come with wings. Qui peut dire amen? Who can say amen? Il est venu comme un humain. He came as a human. Et Daniel dit l'ange Gabriel que j'avais vu précédemment. The Bible says the angel Gabriel, which I saw before, il avait vu dans Daniel 8, 15 à 17. He saw him in Daniel 8, 15 to 17. Vous vous souvenez de la vision de la boucle de Javan. You remember in a vision of the god of Javan. Quand Daniel ne comprenait pas, when Daniel did not understand, la voix dit Gabriel. The voice says, Gabriel, va expliquer à Daniel. Go and explain to Daniel. Daniel avait vu là-bas. Daniel saw him over et there. Il était étourdi. But he was astonished. Il est tombé. He fell. Et l'ange lui a relevé. And the angel left him up. Quand il vient, c'est une onction spéciale. When it comes, a special anointing. Qui peut dire un grand amen? What can say big amen? Il avait vu près du fleuve Ulai. He saw him close to the river Ulai. Ulai qui veut dire bouez. Which means buffalo. C'est un type de peuple. Which is the type of people. Remarquez que ce n'était pas un simple ange. Not just a simple man. C'était un archange. He was an archangel. Quand on dit arc. When we say arc. Veut dire un chef des anges. Meaning a chief of angels. Archange veut dire chef des anges. Archangel means the chief of angels. Parce qu'il y a plusieurs sortes des anges. Because there are many sorts of angels. Il y a des anges simples. There are simple angels. Si vous me suivez, dites amen. If you understand, say amen. Il y a les anges d'orchestre. They are the musician angels. Comme a band angel. Chapitre 1. Like in Acts chapter 1.
Quand Jésus est monté, when Jesus ascended, des anges sont venus. Two angels came and said, pourquoi regarder? Why are you looking up? Tel qu'il est parti, as he went, tel qu'il revient, so shall we return. Branham, c'était des anges d'orchestre. Branham says, those were the band angel. Il y a les anges gardiens. They are guardian angels. Les anges qui vous gardent. Guarding angel, those Branham, that are keeping en réalité, you. Ce sont nos propres théophanies. Branham says, in reality, those angels that guard you are your own theophanies. J'ai dit, ne blâmez pas ces enfants. Branham, Jesus said, don't you rebuke these children. Parce que leurs anges voient continuellement ma face. Because the angel are beholding continuously my face. Branham says, the theophanies. Ta théophanie, c'est un corps angélique. Your theophany is your angelical body. Et c'est ça ton ange gardien. And that is your keeping angel. C'est your keeper angel. Frère Branham a révélé. These are things that Branham revealed. Il y a les anges. There are angels. Vous voyez les séraphins. The seraphim. Il y a les chérubins. The cherubim. Vous connaissez l'histoire avec six ailes. You know the story of six wings. Vous voyez, il y a plusieurs sortes. There are many sorts of angels. Mais il y a aussi les archanges. But there are archangels. Les chefs des anges. The chief of angels. Les supérieurs des anges. The superior of angels. Un archange est supérieur de plusieurs anges. An archangel is a superior of many other angels. Sous son contrôle. Under his control. Un archange a plusieurs anges sous lui. An archangel has got many other angels under him. Qui peut dire un grand amen? We can say big. C'est ce que Lucifer était. That's what Lucifer was. Avant la chute, before the fall, Lucifer était dans la même catégorie que Michael que Gabriel. Lucifer was in the same category of Michael and Gabriel. Il était un archange. He was an archangel. Avant qu'il devienne Satan. Before he becomes Satan. Et William Branham dit. And William Branham says. L'Église doit croire au ministère des anges. The church must believe in the ministry of angels. Il y a aussi les anges qui sont là pour que nous puissions les envoyer. There are angels that are there so that we may send them also. Quand tu as un problème, tu as le pouvoir d'envoyer. When you've got a problem, you've got the power to send an angel. When I'm between an angel and the Son of God, un ange, c'est un serviteur. An angel is a servant. Mais un fils de Dieu, but the Son of God, c'est l'enfant du roi. Is a child of the King. Branham dit encore, Branham says again, les anges ne connaissent pas la rédemption. Angels do not know redemption. Parce qu'ils n'ont jamais été tombés. Because they had never fallen. Mais nous, but we, nous connaissons la rédemption. Know the redemption. C'est vrai, frère Branham dit. That's what Branham says. Certains viennent à l'église. Some come to church. Ils ne chantent. They don't sing. Ils ne dansent pas. They don't dance. Ils ne disent pas amen. They don't say amen. Ils ne pas content. They are not rejoicing. Parce que ils ne pas rachetés. Because they are not redeemed. Mais nous autres, but some of us, si je peux penser, if I can think, que aujourd'hui, that today, je pouvais être un païen, I could have been a pagan, quelque part, somewhere. Mais quand je pense, but when I think, je n'ai pas fait un effort, I did not do any effort. Jésus m'a racheté. Jesus redeemed me. Il est mort à la croix. He died at the cross for me. S'il n'était pas venu, if he never came, je serais un musulman. I would have been a Muslim. Ou un bouddhiste. Or a Buddhist. Quand je pense à la when croix, I think about the cross, je dois danser pour Dieu. I must dance for God. Quand je pense, when I think. Il y a des gens qui sont tombés dans le catholicisme. There are people that fell in Catholicism. Dans la dénomination. In denominational. Je n'ai pas fait un effort. I did not make any effort. Il m'a envoyé. He sent me. Un prophète. A prophet. Un prophète. A prophet. Pour que so that je ne sois jamais. I should never be. Dans la confusion. In confusion. Quand je peux penser. When I can think. Beaucoup sont dans les messages. Many are in the message. Ils ne comprennent pas le sceau. They don't understand the seal. Quand je pense à tout when ça. When I think about all those. J'ai une raison. I have got a reason. De danser pour to dance for him, de le louer, to worship him, de donner ma vie pour lui, to give my life for him. Qui peut dire un grand amen? We can say big amen to vous it. Voyez, you see, et Dieu a sept archanges. And God has got seven archangels. La Bible ne parle que de quelques anges. The Bible speaks about a few angels. Mais en Éthiopie, but in Ethiopia, les Éthiopiens croient que l'enfant que Salomon avait vu au monde avec la reine de Séba. The Ethiopians believe that the children that Solomon gave birth with the child with this, the queen of Seba. Salomon lui avait révélé le nom de cet ange. Archange. Solomon revealed unto him the name of that archangel. Push project. I want to go voici forward. Le nom de cet archange, comment cela a été révélé. Behold the name of the archangel, how it was revealed. Cela a été révélé it par Salomon. Revealed. By Solomon, qui donna à son fils qu'il avait mis au monde avec la reine de Séba qui était une Éthiopienne. He gave birth to a child which he had with the queen of Seba, an Ethiopian. Le premier s'appelle Michael. The first was called Michael. La Bible en parle de lui. Bible speaks about him. Celui que nous parlons c'est Gabriel. The one we speak about is Gabriel. Et le troisième c'est Raphaël. And the third is Raphael. Le quatrième c'est Uriel. The fourth is Uriel. C'est Raguel. The fifth is Raguel. Le sixième c'est Suriel. The sixth is Suriel. Et le septième Phanuel. And the seventh is Phanuel. Vous voyez là un mystère. You see the mystery? Leur nom se termine avec L. Their name finishes with L. Parce que L c'est le nom de Dieu. Because Elohim. L is the name of God, Elohim. Les archanges sont associés
marcher avec Elohim. Archangel are associated with Elohim. Ils sont là avec lui. They are there with him. Si vous les comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Vous voyez cela? You see that? Et nous parlons ici de Gabriel. And we're speaking about Gabriel. Parce que nous parlons de Gabriel. Because we're speaking about Gabriel. Remarquez que dans la Bible, notice in the Bible, nous disons ici Gabriel qui visite Daniel. We're speaking about Gabriel visiting Daniel. Parce que le nom Gabriel veut dire, because the name Gabriel means Dieu est puissant. God is mighty. Et Daniel veut dire, and Daniel means celui qui juge pour Dieu. The one that judges for God. Mais observez Gabriel, c'est sept lettres. Now notice Gabriel is seven letters. Parce qu'il a aussi le type du septième ange. Because the type of the seventh angel. Mais Daniel c'est six. But Daniel it's six. Remarquez que Gabriel. But notice Daniel, Gabriel. C'est un ange toujours pour les Juifs. Gabriel is an angel for the Jewish. Et Dieu l'a utilisé dans la Bible cinq fois. And God used him in the Bible five times. Rapidement mon frère, montrez-moi ça. Quickly my brother, show me. Dieu l'a utilisé cinq fois dans la Bible. God showed him five times in the Bible. Are you with me? La première fois, the first time, c'est dans Genèse 18. Genesis 18. Quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrah, when God had to destroy Sodom and Gomorrah, un type de Luc 17:30, a type of Luke 17:30, Elohim est venu devant Abraham. Elohim came before Abraham, accompagné de deux personnes, with two people. Qui peut dire amen? Who can say amen? Personne ne nous a dit leur nom. No one told us their names. Mais quand Branham vient, but when Branham comes, il dit, he says, c'était Elohim lui-même. It was Elohim himself. Dieu. God. Il a pris une poussière. He took a dust. Il est entré. He got in. Il a créé une autre poussière. He created another dust. Il dit Gabriel entre. He put Gabriel in. Il a créé un autre. He created another one. Il dit Michael entre. He put Michael in. Et ils étaient dans un corps. And they were in a body. Parce qu'ils avaient mangé chez Abraham. Because they ate with Abraham. Un type de ce que Dieu fera au temps de la fin. A type of what God will do at the end time. Elohim viendra. Elohim will come. Il entre dans le corps Branham. He will get in the body Branham. Et Michael. And Michael. C'est dans Billy Graham. And Billy Graham. Et Gabriel. And Gabriel. C'est dans Oral Robert. Is an Oral Robert. Mais. But les deux anges sont partis à Sodome. The two angels went to Sodom. Vers Lot. Toward Lot. Mais Elohim, but Elohim reste dans les champs de Mamre. Stay in the chamber of Mamre. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? C'est la première fois qu'il est venu. It is the first time that he came. La deuxième fois. The second time. C'est Daniel 8:16. Daniel 8:16. Dans le changement de la dispensation du royaume Médo-Perse au royaume grec, je vous in ai the enseigné. Change of the dispensation of Medo-Perse in a Greek kingdom. Dans les boucles de Chafan, Alexandre le Grand. When in the book of Java and Alexander the Great, détruit Darius le bélier à deux cornes, destroyed Darius the ram in two cornes. Daniel voulait comprendre cette vision. When Daniel wanted to understand the vision, Dieu lui a envoyé Gabriel. God sent him Gabriel pour lui expliquer. To explain that to c'est him. Là où il dit ici. That's what he says here. Gabriel que j'avais vu précédemment. Gabriel which I previously saw. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Et Daniel 9, la troisième fois Daniel 9:21. And the third time Daniel 9:21. Dont nous étudions, which we are studying, il vient lui révéler les 70 semaines. It comes and reveals to him the 70 weeks. Le plan entier des Juifs. The entire plan of the Jewish. La quatrième fois nous parlons, nous voyons lui. The first time we see him. À la naissance de Jean-Baptiste. The birth of John the Baptist. Vous voyez là. See there. L'ange est venu à Zacharie. The angel came to Zachariah. La naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. The birth of John the Baptist. Au temps de Jésus, la naissance de Jean-Baptiste. In the time of corrigez the birth ça. Of John the Baptist. Vous voyez. Le papa de Jean-Baptiste, the father of John the Baptist, était un sacrificateur. Was a priest. Son nom c'est Zacharie. His name is Zachariah. Il était en train de sacrifier à l'autel. Il a vu Gabriel à la droite de l'autel. He saw Gabriel at the right of the altar. Et frère Branham, l'ange tient toujours à droite. But I want to say the angel always stand at the right. C'est quoi Maida a vu l'ange qui était avec frère Branham à la droite de l'autel. That's why Maida saw the angel that was always with frère Branham at the right of the altar. Quand je prêche, l'ange est ici à droite. When I preach, the angel is on the right. Vous voyez, you see, il a dit à Zacharie, he said to Zachariah, ta femme aura un enfant. Your wife will have a child. Tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. You give the name of John the Baptist. Observez ici. Notice here. Comme Elisabeth était vieille, as Elizabeth was old of age, Zacharie a douté de la parole de Zachariah doubted the word of the angel. On ne doute pas aux paroles de Gabriel. We don't doubt the word of Gabriel. Alors l'ange Gabriel a dit à Zacharie, then the angel Gabriel said to Zacharie, comme tu as douté, as you doubted, tu ne parleras plus. You will be mute. Tu deviendras muet. You will be mute. Jusqu'à ce que l'enfant va naître. Up until the child will be born. C'est un type de pasteur d'aujourd'hui. It is a pastor's type today. Et frère Branham dit pourquoi Gabriel avait frappé? Branham says why was Gabriel stricken? Il avait déjà why did exemple? Gabriel strike Zachariah? Because there was already an example. Sarah avait 90 ans. Sarah was 90 years of il age. A mis au monde. But she gave birth. Lui un pasteur ne devait pas douter. Him a pastor could not doubt. Parce que si Dieu a fait quelque chose, if God did something, il peut le faire encore. He can do it again. Ne doutez pas. Don't you doubt.
Si Dieu a béni les gens avant toi, if God blessed people before you, il peut aussi te bénir. He can bless you too. Je vais entendre un amen. When I hear amen. S'il leur a donné le Saint-Esprit, if he gave them the Holy Spirit, au temps de Pierre, the time of Peter, il peut le faire. He can do it again. Pendant que je parle, as I'm speaking. S'il a béni John Charit, if he blessed John Charit, il lui donnait des millions, he gave them million, il peut le faire. He can give it again. Je vais entendre un amen. When I hear amen. Oui. Yes. Quand il a douté, when he doubted, il est devenu muet. He became mute. Et quand il sort, and when he goes out, un prédicateur doit prêcher, a preacher must preach. Il commence à faire comme ça. He started making signs. Des signes. Signs. C'est le type de pasteur. It's the types of pastors. Dans ces messages. In this message. Comme ils doutent de ce que Branham dit. As they doubt what Branham says. Ils sont muets. They are mute. Ils n'ont plus d'inspiration. They have no wrong inspiration. Ils ne prêchent rien. They preach nothing. Ils n'ont plus la parole. They don't have the word. Ils sont seulement au les signes. They're just busy with signs. Oh, faisant les miracles. Let us perform miracles. Ils ne parlent plus. They cannot speak anymore. Certains Zacharie. Those are Zachariah. Qui peut dire amen? We can say amen. Et avec une chose pareille. And there is one thing while Jean I said. Jean-Baptiste va mourir. John the Baptist will die. Dans le ventre de son église. In the church of his church. In the belly of his church. That's why the sheep do not have the Holy Spirit. Ils sont dans les messages. In a message, visité par les mêmes anges. Visited by the same angel. Mais comme ils n'ont pas la parole. But has not have the word. Leurs bébés. The babies. Ne bougent plus. Are no longer moving. C'est pourquoi leurs églises on écrit pas amen. That's why the churches they don't shout amen anymore. Pourquoi toi tu es mort. That's why you are dead. Tu écoutes, tu ne you listen, you cannot move. La parole ne te bouge. The word does not shake you. Mais je vais te montrer comment bouger. I will show you how to move. Dit amen. Say amen. Et la cinquième fois, and the fifth time, il est venu dans Luc 1:6. Came in Luke 1, the first day. Il rencontre Marie. He met Mary. Je te salue, Marie. Hello, Mary. Tu es choisi. You are chosen. Tu auras un enfant. You will have a child. Marie n'a pas douté. Mary did not doubt. Parce qu'avant lui, because before him, aucune femme et vierge avait mis au monde. Before her, there was no virgin woman that gave birth. Il a dit comment cela va arriver. She asked, how will that take place? Marie n'a pas douté, mais il cherchait la compréhension. Mary did not doubt, but she wanted understanding. Une bonne église ne doute pas. A good church doesn't doubt. Mais ils veulent comprendre. But what to understand? Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Et l'ange lui a dit. And the angel said to him, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. The Holy Spirit will overcover you by your shadow. Marie a dit qu'il me soit fait. Yes, Mary said. May it be done unto me. Selon ta parole. According to your word. Il avait 17 ans. She was 17 years le of age. 17. The number 17. C'est le nombre de la visitation. Is the number of visitation. Je crois que nous sommes en 2017. That's why I believe we are in number 17. L'ange est ici pour vous visiter. The angel is here to visit you. Ne doutez pas les paroles de l'ange. Don't you doubt the word of the angel. Et le Gabriel d'aujourd'hui c'est Branham encore. And the Gabriel of today it's Branham. Et l'épouse est Marie. And the bride is Mary. Quand frère Branham est venu à nous. When Branham come to us. La vraie église. The true church. N'est pas comme Zacharie. It's not like Zachariah. Nous on ne doute pas. We don't doubt. Tout ce que Branham a dit. All Branham said. Qu'il me soit fait. Let it be done unto me. Selon les paroles de l'ange. According to the word of the angel. Et quand tu dis amen. And when you say amen. La colonne de feu. The pillar of fire. Descend. Comes down. Ça forme un corps. And it forms a body. Et Marie est devenue grosse. And Mary became pregnant. Maintenant remarquez le mystère. Now notice the mystery. L'église là qui était morte. That church which died. Pour les réveiller, vous amen. Allez les réveiller. You amen. Go wake them up. Il faut que Marie rencontre Mary Elizabeth. Need to meet Elizabeth. Quand ils se sont rencontrés. When they met together. Quand ils se sont salués. When they greet each other. La salutation de Marie. The greeting of Mary. Et le nom Jésus a été prononcé pour la première fois. And the name Jesus was pronounced for the first time. L'enfant qui était mort. The child which had died. Est ressuscité. Resurrected. Allez ressusciter tous ces églises. When resurrect all this church. Ce sont des Elizabeth. They are Elizabeth. Ils sont déjà morts. They are already dead. Ils attendent vous. They are waiting for you. Qui peut dire amen? We can say amen. La salutation de l'ange. The greeting of the angel. Branham dit. Branham says. C'est l'enseignement. It's teaching. L'ange doit vous saluer. The angel must greet you. Quand il vous salue, when he greets you, c'est l'enseignement. It's teaching. Ce que je vous enseigne dans le cinquième volume, c'est vous saluer. What I'm teaching you in the fifth volume is to greet you. C'est ça la cinquième fois. That is the fifth time. Vous verrez que Gabriel apparaît toujours en rapport avec les Juifs. You see that Gabriel appears always in line with the Jewish. Pourquoi dans le verset 28, il est venu là pour les six buts. He came for the six purposes. To reveal the 70 weeks of Daniel for the Jewish. Vous voyez ça? See that? C'est pour cela, that one. Les sept archanges, the seven archangels sont différents, are different de nos anges de l'église. With our angels church. Nous aussi à l'église, on a sept anges. We also in the church we have seven angels. Mais les sept anges hommes. But the seven angel men.
que nous trouvons dans Apocalypse 1. That we find in Revelation chapter 1. Nous connaissons leurs noms. We know their names. Il y a pas d'amen. You're not saying amen. Je peux dire quelque chose? Can I say something? Comme les noms des autres archanges n'étaient pas trop connus. Hence, the name of the other archangels were not well known. C'est seulement Gabriel et Michael. It's only Gabriel and Michael. Mais Salomon par la sagesse a compris ça. But Solomon by wisdom understood it. C'est seulement Paul qui était connu dans la Bible. It's only Paul that was known in the Bible. Et William Branham Elie. And William Branham Elijah. Parce qu'il a été prédit depuis la Bible. Because he was predicted before the Bible. From the Bible. Mais les noms des autres. By the name of others. N'étaient pas connus. Were not known. Mais nous voyons seulement Jésus. But we only see Jesus. Avec sept anges. With seven angels. Écrit à l'ange d'Éphèse. Right to the angel of Ephesus. À l'ange de Thyatira. To the angel of Thyatira. À l'ange de Sardes. To the angel of à l'ange de Philadelphie. Philadelphia. Mais qui est leur nom? But what is the names? Quand Branham vient. When Branham comes. Avec la sagesse de Salomon. With the wisdom of Solomon. Est-ce que vous aimez ça? Do you love it? Il dit le premier ange. He says the first angel. Son nom c'est Paul. His name is Paul. Le deuxième c'est Irénée. Irénée. Le troisième c'est Martin. Third, it's Martin. Le quatrième c'est Columbus. The third, the fourth, le cinquième c'est Luther. The fifth is Luther. Le sixième c'est Wesley. Sixth, it's Wesley. Et le septième. And the seventh, c'est Branham. It's Branham. Et je vous le présente. And I present him unto you. C'est lui le dernier ange. He is the last angel. Ce sont les messagers envoyés aux églises. These are messengers sent to churches. Qui peut dire un grand amen? Look at the big amen. Gabriel, quand il est apparu, when Gabriel appeared, il introduit son associé Michael. He introduced his associate Michael. Dans Daniel 12:1. In Daniel 12:1. Pour faire la guerre. To do the war. Daniel avait annoncé la première venue. Gabriel announced the first coming. Branham dit Gabriel annoncera encore la seconde venue. He says Gabriel will announce again the second coming. Dans ce sens-là, il s'agit de lui-même. In that sense, it means himself. Branham est aussi Gabriel de ces jours. Branham is also Gabriel of these days. Mais observez que chez nous, now observe with us, ce n'est pas un archange qui vient. It's not an archangel that comes. Chez nous, au temps de la fête, toward us, the end time, c'est l'ange de l'Éternel lui-même. It's the angel of the Lord himself. Oh, l'ange de l'Éternel. Why? The angel of the Lord, c'est l'Éternel lui-même, is the Lord himself, qui vient comme un messager. He comes as a messenger. C'est quoi le 6 avril 1909? That's on the 6th of April 1909. Quand Branham est né, when Branham is born, l'ange de l'Éternel est venu. The angel of the Lord came. Lui la colonne de feu. He the pillar of fire. Et l'ange l'accompagnait partout. And the angel was going along with him everywhere. Ne fume pas, ne bois pas. Don't you smoke or drink. C'est quoi le 11 juin? That was the 11th of June. 1933. Dans la rivière Ohio. In the Ohio River. Quand il baptisait. While he was baptized, pas Gabriel qui est venu. It's not Gabriel that came. L'ange a dit, the angel said, comme j'avais envoyé Jean Baptiste, as I sent John the Baptist, je t'envoie avec un message, I sent you with a message pour préparer ma seconde to forerun my second coming. C'est quoi, pendant qu'il était embrouillé, that's why he was troubled. Il ne comprenait pas sa vie. He did not understand his life. Le 7 mai 1946, the 7th of May, 1946, l'ange est venu. The angel came. Il dit, cette fois-ci, je he says, this face. Time I saw him face to face. Il est sorti de la lumière. He came out of the light. Il dit, il était costaud. He says he was buff. Aimez-vous la parole? Do you love the word? Il n'avait pas de longs cheveux. He did not have long hair. Il avait une voix grave. He heard a loud voice. Il est venu à 11h de la nuit. He came at 11 of night. À Green's Mill. At Green's Mill. Il dit, n'ayez pas peur. He says, fear not. Je viens de la présence de I Dieu. I come from the presence of the Lord. Pour te dire toi, Branham. To tell you, Branham. Ta vie mystérieuse. Your mysterious life. Tu es venu au monde. You came to this world. Pour apporter un don de guérison. To bring a gift of healing. Si tu amènes les gens à te croire, if you bring people to believe you, rien ne résistera à ta prière. Will stand your prayer. Est-ce qu'il y a un croyant de Branham? Is there a believer of Branham here? Si tu étais malade, if you are sick, soyez guéri. Be healed. Parce que tu crois l'ange. Do you believe the angel? Rien ne résistera à ta prière. Nothing will withstand your prayers. Ni même le cancer. Not even cancer. Il dit, je te donne des signes comme Moïse. I give you two signs like Moses. Et il dit, je te donne les trois mots clés de la Bible. He says, I give you the three key words of the Bible. Qu'aucun mortel ne connaît. Which no mortal being knows. Nous avons la commission. We have got a commission. Qui dire un grand amen? We can say big amen. C'est le même ange, the same angel, qui lui expliquait la parole. That explained the word to him. C'est le même ange, the same angel, qui est venu en 60. That came in 63. C'est le même ange, the same angel, qui a joué le piano. That played the keyboard. Quand Frère Branham a prié, when Brother Branham was praying, l'enfant guéri, the child was healed. L'ange, the angel, a joué le piano. Played the keyboard. C'est le même ange. It's the same angel. En Afrique du Sud, it's at Africa. Un incrédule, an unbelief, doutait de Branham.
Branham. Dr. Branham. L'ange a mis la main. The angel put a hand upon his shirt. Est-ce que vous voulez écouter? Do you want to hear? Billy Paul a mis la main. Billy Paul put his prints. Ça ne correspond pas. It wasn't matching. Bosworth a mis la main. Bosworth put his hands. Ça ne correspond pas. It wasn't matching. Oh, voilà incroyable. Now there is a believer. Branham a pris sa main. Branham put his hands. When he laid his hands, the print of the hand of the angel correspond matched aux empreintes de la to the main de print of the hand of Branham. Interrogeons les temps anciens. Let us question in our time. Est-ce que Branham est cet ange? Is Branham that angel? Quel est le mystère? What is the mystery? Voulez-vous écouter? Do you want to listen? Les contenants. The contenant. Le contenu. The contain. Prend la forme. Has the form. Du contenant. Of the contenu. L'eau. The water. Prend la forme. Has the form. De la verre. Of the glass. L'ange. The angel. Prend la forme. Takes the form. De William Branham. Of William Branham. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Yes, sir. Yes, sir. Moi, je suis heureux. That's why I'm blessed. D'être en Afrique. To be in South Africa. De parler de ces to choses. To speak about these things. Et je veux que vous saisissez ce I want you to understand this morning. C'est là où j'en viens. That's where I'm getting to. La réunion de ce matin, this morning's meeting, l'ange est ici. The angel is here. Tu es là dans la présence de l'ange. You are here in the presence of the angel. Comment tu connais ça? How do you know it? Il y avait la promesse. There was a promise. Partout, wherever. Où on parle de la politique? When we speak about politics, l'ange viendra. The angel will come. Où on parle de pasteurs? When we speak about pastors, ou des anciens, or elders, l'ange viendra. The angel will come. Mais répondez. Answer. Où on parle de business. When we speak about business, l'ange viendra. The angel will come. Où on parle de Moïse. I will speak about Moses. L'ange viendra. The angel will come. Où on parle de Paul. They speak about Paul. L'ange viendra. The angel will come. Mais qu'est-ce que la promesse? But what was the promise? Partout. Wherever. Où ce message. This message. Sera prêché. Will be preached. Sera lu. Will be read. Le même ange. The same angel. Viendra. Will come. Et confirmera la parole. And will vindicate the word. Et ce matin ici. And this morning here. L'ange doit confirmer. The angel must confirm. Ce que je prêche. What I am preaching. Si tu as des doutes. Well, if you've got a doubt. N'importe ton problème. No matter your problem. Si tu sors ici. If you come out of here. Sans solution. Without solution. Alors quittez l'église. Then leave the church. L'ange est ici. The angel is here. Quand il jouait même ses when he was playing on the tapes au Mexico, in Mexico, ils écoutaient la cassette, they were listening to the tapes dans un radio, in a radio. L'ange est venu. The angel came. Mais ici, but here, nous donnons les détails. We are giving the details. Il est ici. He is here this morning. Je savais qu'aujourd'hui, I knew that today, ce serait différent. It will be different. Le cinquième volume, the fifth volume, ce serait différent. It will be different. Because five, c'est le nom Jésus. It's the name of Jesus. Qui est cet ange? Who is that angel? C'est Christ. It's Christ. Et que c'est la vérité. Is it the truth? Alors la réunion d'aujourd'hui. Then today's meeting, l'ange, the angel, va confirmer, must confirm it. Que tout ce que Zakola and all that Zakola is saying. Laissez-moi vous dire. Let me tell you. Frère Branham a dit. Frère Branham said. Même un hypocrite. Even an hypocrite. Même un hypocrite. Even an hypocrite. Si répète, if he repeats, l'ange, the angel, viendra confirmer, must come and confirm. Mais ici devant vous, and here before you, c'est un homme sincère. He's a sincere man. Je ne suis pas parfait. I am not perfect. J'ai mes hauts et mes bas. I've got my ups and downs. Et une chose, and one thing, je suis sincère. That I'm sincere. Quand je parle de ce when message, I speak about this message, I am sincere. And because of my sincerity, the angel is here. And he must confirm the meeting of this morning is the meeting of challenges. The meeting of this morning is the meeting of challenge. I will challenge today. Now Satan has understood. I will challenge today each demon. And the angel will confirm that the message is true. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Oui, Satan se fâche. Yes, Satan is angry. Aujourd'hui, je suis venu défier. Today I came to challenge you. Je m'en fous de ta maladie. I don't care your sickness. Je m'en fous de ton problème. I don't care about your problem. Je t'appelle ce matin. I call upon you this morning. D'être incrédule. Be unbelief. À ta propre incrédulité. To your own unbelief. D'être incrédule. Be unbelief. À ce que tu vois. To what you see. D'être incrédule. Be unbelief. Aux symptômes. To the symptoms. D'être incrédule. Be unbelief.
aux situations. To situation. Soyez incrédule. Be unbelief. À ta situation. To your situation. Soyez incrédule. Be unbelief. À ton problème. To your problem. Mais ayez foi. But have faith. À cet ange. To this angel. Le temps est arrivé. The time has arrived. Prenez mes parties. But the bottom went. Il n'est pas parti avec l'ange. He did not go with man. Il dit, même si je pars, he said, even if I go, cet ange, that angel restera, will remain. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Ce matin ici, this morning here, avant que j'entre au bureau, before I get to my office, soyez prêt. You must be ready. Chacun de vous, each one of you, viendra donner, you will come and give a testimony. Et vous saurez, and you will know que le Dieu de Branham, that the God of Branham est encore vivant, he is still alive. Parce que, because c'est comme Élisée. It's like Elijah. Hallelujah. J'ai la double portion. I'm here to double portion, and I take the coat and I strike the virgin. Where is the God of Elijah? Where is the God of Branham? Where is that God? The angel is in the camp and he can heal, he can save. Hallelujah, hallelujah. And Branham says, when the angel is here, the shout of the king is in the camp, and he says the manifestation of the Holy Spirit, he is the presence of that angel. That's what we sing. We are standing. We nous sommes levés. On holy ground. Et on est plus saint. Nous tenons. And we are standing devant l'ange. Before the angel. Parce que, because tu es marié. You are married. Parce que, because nous sommes dans l'année marié. We are in a year married. L'année 17. The year 17. C'est l'année où l'ange visite. It's the year where the angel visits. Et tu es visité. And you have visited. Est-ce que vous le croyez? Do you believe that? Ayez foi à l'ange. Have faith upon the angel. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Mon frère, s'il a joué le piano. My brother, if he played the keyboard. Il peut jouer la parole. He can play the words. Il est venu à Daniel. He came to Daniel. La Bible dit par un vol rapide. The Bible says by a speed you may be seated. Par un vol rapide. With a quick speed fly. Il est venu par un vol rapide. He came with a fight, a speed fight. L'oiseau qui est rapide plus que tous les oiseaux. The bird which is faster than all other birds. C'est l'aigle. It's the eagle. Gabriel vient comme un aigle. Gabriel comes like an eagle. Pour montrer que c'est l'âge de l'aigle. To show that the age of the eagle. Pour montrer que c'est au temps de Branham. To show that the time of Branham. Un aigle volant viendra. A flying eagle will come. Et la Bible dit il est venu dans l'offrande du soir. And the Bible says that he came in the evening offering. Vous devez écouter les détails. You must listen to the details. En Israël, il y avait deux offrandes. In Israel, there were two offerings. L'offrande du matin, the morning offering, et l'offrande du soir, and the evening offering. Mais l'ange vient à l'offrande du soir. But the angel comes to the evening offering. Parce qu'Adam et Eve causaient avec Dieu le soir. Because Adam and Eve were talking to God in the evening. Parce que Dieu avait répondu à Élie au temps du soir. Because God answered Elijah in the evening time. Oui, il laissait les prophètes de Baal. Yes, he left the prophet of Baal. Ils invoquent leur Dieu depuis le matin. They were calling the God since morning. Il ne répond pas. There was an answering. Élie a dit, votre Dieu est en voyage. Elijah said that is your God in travel in the continue, journey. Il est en voyage. Journey on, he has traveled. Quand le soir, when the evening comes, Elijah restaurer l'autel. Elijah restored the altar. Restore seulement ta vie. Restore just your life. Confess tes péchés. Confess your sins. Et Elie s'est mis là. And Elijah said, il dit, où est le Dieu de he said, where is the God of Elijah? La colonne de feu. The pillar of fire. L'ange du Seigneur. The angel of the Lord. Est descendu. Descended. Et nous sommes au temps du soir. And we're in the evening time. La Bible dit vers le soir. And the Bible says the evening time. La lumière paraîtra. There shall be light. Et Frère Branham est le messager and du soir. Branham is the evening messenger. Il avait dit mon peuple. He says my people. Ne sera plus jamais de la confusion. Will no longer be in confusion. Et remarquez quand l'ange vient. Notice when the angel comes. Il salue Gabriel. He greets Gabriel. Il dit Gabriel. He says Gabriel. Tu es le bien-aimé du Seigneur. You are the beloved one of the Lord. Dieu ne t'aime pas parce que tu as des jolis habits. God doesn't love you because of your beautiful clothing. Ou parce que tu as des voitures. Or because you have got cars. Dieu ne te hait pas aussi parce que tu souffres. God also doesn't hate you because you're suffering. No. No? Mon frère, ce matin. My brother, this morning. Même si tu souffres. Even if you're suffering. Dieu ne te hait pas. God doesn't hate you. Mais l'amour de Dieu. But God's love. Quand Dieu t'aime. When God loves you. Il te donne la révélation. He gives you revelation. You are a beloved. Amen. C'est une église bien-aimée. Amen. Is a beloved church. Jésus, je te loue, Père. Jesus said, I praise you, Father. Parce que tu as caché. Because you hid ces choses. These things. Aux sages, aux intelligents. To the wise intelligent. Mais tu as révélé ça. But you revealed it. Aux enfants d'amen. To the children of amen. Qui vient apprendre. That come to learn. Les gens sont orgueilleux pour rien. People are proud for nothing. Pasteur. Pastor. Viens t'asseoir et apprends. Come sit down and learn. Comme mon beau frère Franklin me disait. Like my brother-in-law Franklin was telling me. Ils peuvent commencer les églises en écoutant ces bandes. They said they can start the church by listening to these tapes. Venez vous asseoir. Come and sit down.
Ne sois pas pressé de devenir pasteur. Don't be in a hurry to become a pastor. Tu ne connais pas encore. You don't know yet. Viens t'asseoir. Come sit down. Viens prendre. Come and learn. Nous sommes les bien-aimés. We are the beloved one. Je suis venu, nous sommes les bien-aimés. I can be the beloved one. Parce que tu es un bien-aimé. Because you're a beloved one. Quand Dieu t'aime, when God loves you, il te donne la parole. He gives you the word. La révélation. The revelation. Salue ton frère. Greet your brother. Dis-lui, Dieu te bénisse, tell him God love, God bless you, beloved one. Greet your neighbor. Bien-aimé, say my beloved brother. Voilà mon bien-aimé, my beloved Daniel pastor Lamba. Zakola. Saluez-le. Greet him. Nous sommes des bien-aimés. We are the beloved one. Parce que because nous croyons la parole. We believe the word. Moi, je suis un bien-aimé de Dieu. I'm a beloved one of God. Quand Dieu t'aime, when God loves you, il te donne la compréhension. He gives you the understanding. Dieu les a haï. God hates them parce qu'ils ne comprennent rien. Because they understand nothing. Même s'ils sont riches, even if they're rich, ou ils ont des grandes églises, or they've got bigger churches, observez-les. Observe them. Dieu les a haï. God hates them. Ils ne sont pas les bien-aimés. They are not the beloved one. Eliezer, voici un bien-aimé de Dieu. Eliezer, behold the beloved one of God. Je n'ai jamais été à l'université. I was never in university. Mais Dieu m'a aimé. But God loved me. Il me révèle ces choses. He revealed these things to me. Et vous, amen, vous êtes les bien-aimés. And you, amen, you are beloved ones. Dieu vous aime. God loves you. Quand Dieu vous aime. When God loves you. Il vous envoie un vrai don. He sends you a true gift. Vous voyez? You see. L'ange a dit à Daniel, alors rapidement, the angel dans said to Daniel. Dans quelques temps ici. We'll finish in few time. Il a dit à Daniel. He said to Daniel. Daniel. Daniel, je suis venu t'ouvrir l'intelligence. I came to open unto you understanding. L'ouverture de l'intelligence. The opening of understanding. L'âge de l'intelligence, c'est là d'Apocalypse 10. The age of wisdom in the age of Revelation chapter 10. Luther était les pieds. Luther was the feet. Wesley le corps. Wesley the body. Les Pentecôtistes la bouche. Pentecôtistes the mouth. Oh, that's why you see Pentecôtistes speaking in tongues. Branham les yeux. Branham the eyes. Mais l'intelligence, the understanding, c'est la nuée, is the cloud, l'ouverture des seaux, the opening of seals. Dieu vient pour ouvrir. God comes to open notre compréhension, our understanding. Le message fait de toi intelligent. The message makes of you intelligent. Ça dit message aux apôtres à bazo bate. Meaning, this message is not for the dull or the dumb. If you are dumb, that means please go to Pentecostal church because you won't understand in this church. In our churches, for people that are smart. Now, the knowledge and the intelligence of the God's intelligence. God so much opened our understanding. By the renewing of our minds. And we become intelligent. Très intelligent. Very intelligent. Génie. Wise. Or genius. Wise man. Savant. Wise man. Branham, c'est un savant. Branham is a wise man. Celui qui vous parle, c'est un savant. The one speaking to you is the wise man. Vous ne voyez pas là que c'est un savant. Don't you see that I'm a wise man? Tu es très intelligent. You are very intelligent. Tu ne peux même pas échouer à l'école. That's why you should not fail at school. Oui. Yes. Le spirituel typifie aussi le naturel. Spiritual is a type of the natural. Toi, tu dois réussir. You must pass at school. Même dans le business. Even your business. Tu es intelligent. You are intelligent. Tu connais prospérer. You know how to prosper. Un groupe discute, Jésus est venu ou pas? A group discussing, arguing, Jesus came or not? Sept sont révélés ou pas? The seven may I reveal or not? Tu vois, c'est un groupe de discuteurs. You see, these are just people arguing. Mais nous saisissons la vision. We're catching the vision. La vraie épouse. The true bride. Saisit la vision. Catch the vision. Tu vois, frère Joseph a dit, catch the vision. That's about Joseph said, catch the vision. Saisis la vision. You must catch the vision. Et le programme de Dieu. God's program. Cette église doit saisir la vision. The church must catch the vision. Et l'ange lui a dit, ce sont les instructions. And the angel told him that there are instructions. De Gabriel à Daniel. Of Gabriel to Daniel. Qu'est-ce que signifie instruction? What is the meaning of instruction? C'est l'action d'instruire. It's the action of teaching. D'enseigner. It's an action of de tweeting. Transmettre des connaissances. To transmit a knowledge. À quelqu'un. To somebody. Ou à une nation. Or a nation. Ou à une église. Or a church. Transmettre le savoir. They are passing over the understanding or the knowledge. Si un enfant. If he was a child. Pour l'amener à devenir adulte. To bring him to become an adult. C'est pourquoi je vous donne. Gabriel est venu instruire. That's why Gabriel came to tweet. Lui donner des savoirs. To give him the knowledge. Des connaissances. Knowledge. Pour qu'il comprenne la vie éternelle. So that he can understand eternal life.
C'est ce que j'ai fait. That's what I came to do here. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. 70 weeks was fixed for your people. Il lui dit 70 semaines pour ton peuple. He said 70 weeks for your people. Observez, Daniel avait demandé 70 ans. Observe, Daniel asked for 70 years. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Il voulait savoir au sujet de 70. He wanted to know about 70 years. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Daniel se priait. Daniel's prayers était pour savoir au sujet de 70 ans. Was to know about 70 years. Remarquez 70 ans. Now notice 70 years. 70 ans. 70 years. Est différent de 70 semaines. From 70 weeks. 70 ans c'est pour la captivité. 70 years is for captivity. Il voulait savoir ça. He wanted to know it. Parce que c'était 68 ans. Because it was 68 years. Et Dieu lui révèle. But God reveals unto him. Et la fin. The end. Et 70 semaines. And 70 weeks. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Pour faire de lui intelligent. To make him intelligent. 70 semaines. 70 weeks. Ont été fixés. Was fixed. Pour ton peuple. For your people. 70 semaines n'est pas pour nous. The 70 weeks not for us. Le peuple de Daniel. The people of Daniel. C'est les Juifs. They are the Jewish. Si vous le croyez, dites amen. If you understand, say amen. Et pour ta ville. And for your life. Pas pour Jobu. Your city. La ville de Daniel. The city of Daniel. C'était Jérusalem. It was Jerusalem. Si vous le croyez, dites amen. If you understand, say amen. 70 semaines. That was 70 weeks. N'est pas pour nous. It's not for us. Mais c'est notre calendrier. But it's our calendar. Si vous le croyez, dites amen. If you understand, say amen. Vous voyez. Now you see. Il lui a demandé pour 70 ans. He asked for 70 weeks. Dieu lui révèle 70 God reveals 70 weeks unto il him. A demandé une petite chose he à Dieu. Asked for a little thing to God. Dieu lui révèle des grandes choses. God revealed unto him the greater things. Quand l'ange vient, when the angel comes, il vient te donner des grandes choses. He comes to give you big things. 70 semaines pour ton peuple. 70 weeks for your people. Le peuple de Daniel. The people of Daniel. Sont venus d'Abraham. They came to Abraham. Le père des Juifs. The father of the Jews. Le premier Juif. The first Jew. Tu vois, le salut vient des Juifs. That's why salvation comes from the Jews. Tout sera béni par les Juifs. That's why all will be blessed by the Jewish. Parce que Dieu a dit au premier Juif. Because God said to the first Jew, Abraham, Abraham, je te bénirai. I will bless you. Je rendrai ton nom grand. I'll make your name great. Tu seras une source. You'll be the source of blessing. Tout le royaume sera béni. All the kingdom will be blessed by you. Vous voyez? You see? Toutes les familles de la terre. All the family on earth. Je bénirai celui qui te bénira. I'll bless those who bless you. Je maudirai celui qui te bénira. I'll curse those who curse you. Tout le monde est béni par les Juifs. All the world are blessed by the Jewish. Abraham a eu trois enfants. That's why Abraham had two children. Ishmael. Vous dites amen. You say amen. Les musulmans sont bénis. Muslims are blessed. Qui peut dire amen? Who can say amen? Vous voyez? You see? Isaac. Isaac. Les Juifs sont bénis. The Jewish are blessed. Et Jésus Christ. And Jesus Christ. Le fils royal. The royal child. Nous les chrétiens nous we sommes bénis. We the Christians are blessed. Le monde entier. The entire world. Est béni par la source des Juifs. He is blessed by the source of the Jewish. Parce que les Juifs connaissent Dieu. Because the Jewish know God. Le salut vient des Juifs. Salvation comes from the Jewish. Même dans la science. Even in science. Ceux qui ont été bénis par la bombe atomique, those were blessed by atomic bomb, c'est par un juif. It's through a Jewish. Albert Einstein. Albert Einstein. Un juif. A Jew. Le communisme. Communism. Celui qui a commencé ça. The one who began. Un juif. Beaucoup des invasions. Many invasions. Ce sont les juifs. A Jewish. Celui qui a beaucoup, ceux qui ont beaucoup d'argent. Those have got a lot of money. Ce sont les juifs. A Jewish. La fille d'ici a été bénie. South Africa was blessed. Par les juifs. By Jewish. C'est eux qui ont construit. They built it. Quand le Congo a chassé les juifs par Mobutu. When the Congo chased the Jewish through Mobutu. Notre pays a sombré. Our country sank. C'est un mystère. It's a mystery. Les grands savants sont les Juifs. The great ones are the Jewish. Beaucoup de choses viennent des Juifs. Many things come from the Jewish. Parce que le salut vient d'eux. Because salvation comes from them. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Mais les 70 semaines ne nous concernent but pas. But the 70 weeks do not concern. Mais c'est notre horloge. But it's our le clock. Le calendrier de la fin des temps. The calendar of the end time. Quand nous avons ce calendrier là. When we've got a calendar. Un calendrier nous gère. A calendar helps. Nous gère. Manages us. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dimanche? Why are we here today, Sunday? Tu es venu parce que c'est le calendrier que tu obéis. You came here because it's today's calendar telling you it's Sunday. Pourquoi moi je sais que j'ai 40 ans? How do I know that I'm 40 years of age? J'aurai 41 ans au mois de septembre. I'll be 40 years, 51. C'est le calendrier qui me gère. It is the calendar managing me. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Il faut chercher le calendrier. You must look for the calendar. Ça gère les âges. It manages the c'est ages. Vous voyez? La lignée de Sem, c'est eux. That's why you see the lineage of Sem is them. Les Ismaël, les musulmans, les Juifs, Ishmael, Muslim, Christ chrétien. Abraham de l'Ancien Testament. Abraham of the Old Testament. C'est Branham dans les derniers jours. It's Branham in the last days. H-A-M. H-A-M. Père des nations. Father of nations. C'est quoi le vrai Abraham aujourd'hui? That's what the true Abraham today. Que Dieu va te bénir. That God will bless you. Au travers de lui. Through him. C'est Branham. It's Branham. Qui peut dire un grand amen? Vous voyez cela? You see it? Et observez là. And observe here. Pour ta ville.
For your city. Regardez le tableau. Look at this board. Quelle ville? Which city? Jérusalem. Jérusalem. Je m'en vais pour terminer. I'm going to close now. Jérusalem. Jérusalem. Yerushalayim. It comes from the word Yerushalayim. Ou encore Yerushalayim. Or Yerushalayim. C'est l'allusion à deux collines principales de la ville de Jérusalem. It's an allusion of two principal pillars of Jerusalem. Yora, le premier colline qui veut dire juge. Yora, the first pillar which is judge. Et Shalom qui veut dire paix. And Shalom which means peace. Shalom c'est Salem, Shalom, c'est Salem, Salahim. C'est quoi les musulmans disent Salahim Aleikou. That's why the Muslims are saying Salahim Aleikou. Les juifs disent Shalom. The Jews are saying Shalom. C'est le même mot. It's the same word. Parce que c'est les deux collines qui a été conçu Jérusalem. Because those are the two pillars that built Jerusalem. Frère Banham dit Jérusalem veut dire ville de paix, Jérusalem. Application la soie paragraphe 208. Jerusalem means a city of peace. In a sermon paragraph thirst in a paragraph 2008. Parce que le frère roi de Jérusalem c'est Melchizedek. Because the true king is Melchizedek. Melchizedek c'est deux rois. Melchizedek is two kings. Manam dit ça de qui est Melchizedek. But Abraham says in the sermon, who is this Melchizedek? Il est le roi de justice. He's a king of justice. Qui juge. That judges. Il est aussi le roi de paix. The king of peace. J'ai dit le roi de paix ici changer sa frère. I said the king of peace change that one. Roi de paix, le roi de Shalom. King of peace, king of Shalom. En tant que Shalom, il est le sacrificateur. As a Shalom, he's a priest. Il intercède pour nous. He intercedes for us. Au même moment, il est le juge. The same time, he's a judge. Quand il vient dans la nuée, when he comes in the cloud, il était avocat au cours des âges. He was an advocate all along the age. Et il devient le juge. He becomes a judge. Il nous a acquittés. And he set us free. Nous avons la paix. And we have got peace. Qui peut dire un grand amen? We can say amen. C'est pourquoi Jésus est le prince de paix. That's what Jesus, the prince of peace. Or le roi est le papa du prince. Wow. The king is the father of the prince. La Bible ne dit pas que Jésus est le roi de paix. The Bible did not say that Jesus is the king of peace. On dit il est le prince de paix. They say he's the prince of peace. Mais le roi de paix. But now the king of peace. C'est Melchizedek. It's Melchizedek. Ça dit Melchizedek est le père de Jésus. Melchizedek is the father of Jesus. C'est lui qui habitait en Jésus. He dwelt in Jesus. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Alors rapidement, vous voyez. Let's go quickly. Vous voyez, c'est pourquoi. That's why. Jérusalem, c'est la ville royale de Canaan. Jerusalem is a royal city. Of Canaan. Joshua 10, 1 Jerusalem vient du mot Jebus. Jerusalem come from the word Jebus. Josué 18, 28. Joshua 18, 28. C'est aussi Salem. Also Salem. Genèse 14. Genesis 14. Psalm 76, 2. Psalm 76, 2. On appelle Jerusalem aussi Ariel. We call Jerusalem also Ariel. Esaïe 29, 2. Isaiah 29, 2. On appelle aussi Sion. We call it also Sion. 1 Roi 18, 1. First King 18:1. On appelle aussi la ville de David. We call it also the city of David. 2 Samuel 5:7. 2 Samuel 5:7. Parce que c'est David quand il a pris ça. Because it's when David took it. David un jour Dieu l'avait frappé. David one day when he was stricken. Parce qu'il avait fait la recensement que Dieu lui avait interdit dans Chronique. Because this is a recensement and God actually forbid him. Et quand Dieu le frappait là. And when God had stricken him, il a vu l'ange du Seigneur dans la montagne de Morija. He saw the angel of the Lord on the Morija mountain. Et la montagne ne lui appartenait pas. And the mountain did not belong to him. Ça appartenait à Ornan. It belonged to Orman. C'est 1 Chronique 21. 1 Chronicle 21. Daniel dit, je vais acheter. David dit, je vais acheter ça. David said, I will buy it. Or c'est cette montagne là qu'Abraham avait voulu tuer Isaac. Well, that is the mountain which Abraham wanted to kill Isaac. Donc Dieu était devenu Jehovah Jireh. Which God made Jehovah Jireh. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Vous voyez? You see? Là où Dieu était Jehovah Jireh. Where God was Jehovah. C'est là où. There he is. Then David achète ça. David bought it. Il a dit à Onan, je vais acheter ça. And he said, I'm going to buy it. Vous pouvez le lire à la maison. You can read it at home. Dans 1 Chronique 21. In 1 Chronicle 21. C'est là où il y avait la montagne de Morija. That was Morija Mountain. Et David a commencé à faire grandir la ville. And David made a city to grow bigger. Et il a mis sa capitale de son royaume. And he put it as his capital city of his kingdom. C'est pourquoi on l'appelle ville de David. That's why we call it the city of David. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Pourquoi? Why? C'est pour cela. That's why. Pourquoi la ville là de Jérusalem est la plus importante? Why is this city of Jerusalem the most important one? Pourquoi Dieu aime beaucoup cet endroit? Why God loves that place? Quand vous lisez dans Psaume 87. When you eat in Psalm 87. Lisons ça. Let us read in Psalm 87. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. You'll understand why is it important. Gabriel lui a dit. Gabriel told him. 70 semaines ont été fixées. 70 weeks was fixed. Pour ta ville. For your city, pour ton peuple, your people, et pour ta ville, and your city. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. 70 semaines, 70 weeks, pour ton peuple, for your people, et pour la ville, and the city. Remarquez dans Psaume 87.
Notice Psalm 87. Des fils de Coré, psaume cantique, elle est fondée sur les montagnes saintes. The psalm. Psalm 87. Oui, elle est fondée sur les montagnes it's saintes. Fountain on a holy mountain. C'est la ville de Jérusalem. It's the city of Jerusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? C'est sur les montagnes saintes. It's upon a holy mountain. L'Éternel aime les portes de Sion. The Lord loves the gates of Zion. Sion c'est Jérusalem. Zion is Jerusalem. Plus que tous les demeures de Jacob. More than all the dwellings of Jacob. Si ça te l'a dit, amen. If you're here, say amen. Plus que partout. More than all over. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Glorious things are spoken of thee. Entre 70 semaines. And up to bracket the ville de Dieu. City of God. Je proclame l'Égypte. I'll proclaim Egypt. Babylon. Babylon. Parmi ceux qui me connaissent. Among those that knows me. Voici le pays des Philistins. Behold the Philistines. Tyre. Tyre. Éthiopie. With Ethiopia. C'est dans Sion qu'ils sont nés. It was born in Zion. Observez. Now listen, observe. Égypte, c'est l'Afrique et l'Éthiopie. Egypt is Africa and Ethiopia. Babylon, c'est l'Asie et partout là-bas. Babylon is Asia and all over. On dit tous ces pays-là sont nés de Sion. The Bible says all those countries are born of Zion. Et de Sion, il a dit, tous ils sont nés. And of Zion, it shall be said, all as born. Et le Très-Haut qui l'a fermé. And higher himself shall l'Éternel establish. L'Éternel comprend et escriva son peuple. The Lord shall count when he written up the people. C'est là qu'ils sont nés. That is the man was born. Ceux qui chantent, ceux qui dansent, ceux qui toutes mes sources sont en toi. As well the singers as the players on the instrument shall be they. Remarquez all pourquoi in thee. C'est important. Now notice why it is important. Le premier atome. The first atom. Quand Dieu a commencé à créer le monde. When God started to create the world. Le premier atome. The first atom. Du commencement de la terre. Of the beginning of the world. Était tombé là à Jérusalem. Had fallen in Jerusalem. Dans les montagnes de Morija. In Morija Mountain. Dieu vient créer l'agneau pour Abraham. That's why God, when he was creating a lamb for Abraham, c'est à partir he created de là que le monde entier a commencé à se créer. It is from there that the world started to be created. Comme Psaume le dit. As Psalm says. Quand Dieu a voulu mettre Adam dans un corps. When God wanted to put Adam in a body. La poussière que Dieu avait prise. The dust which God took. Pour créer Adam. To create Adam. Former Adam. To form Adam. C'est à Jérusalem. He took it in Jerusalem. C'est pourquoi nous sommes tous venus d'Adam. That's why we all came out of on Adam. Appelle Jérusalem le cordon ombilical de la terre. We call Jerusalem the umbilical cord of the earth. C'est la ville où sont enterrés tous les prophètes et les rois et les patriarches. It is the city where you find that all the prophets, the kings and the patriarches are buried. Adam était enterré là-bas. Adam was buried there. La tombe d'Adam c'est Golgotha. But I would say the tomb of Adam was Golgotha. Même quand il mourait en Égypte. Abraham, that's why even when we're dying in Egypt. Vois, Jacob a dit ramenez-moi. Jacob said, Joseph bring me a back. Dit ramenez-moi. Joseph said bring me back. Tous les prophètes, tous all les prophètes all sont people, là. They are there. Parce que la première résurrection devait être là. Because the first resurrection had to take place. C'est pourquoi il dit Jérusalem est notre mère. That's why he says Jerusalem is our mother. C'est lui qui nous a tous mis. She has begotten us. La ville où Jésus mourut. The city where Jesus died. Pour payer le prix du monde to entier. To pay the price for the whole world. Il mourut là-bas. He died there. Pour nous tous. For us all. Qui peut dire amen? Who can say amen? La première église. The first church. Chrétien a commencé là-bas. The first Christian church began in Jerusalem. La première fois que le Saint-Esprit est descendu. The first time the Holy Spirit descended. C'est à Jérusalem. It was in Jerusalem. Tout commence à Jérusalem. Everything started in Jerusalem. Même l'évangile. Even the gospel. Jésus commençait à Jérusalem. Began in Jerusalem. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Et en Samarie. And in Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre, up until the end of the earth, c'est-à-dire l'Inde, meaning India et l'Afrique. And Africa. C'est quoi moi comme un Africain? That's why me as an African, je comprends bien Jérusalem. I understand very well Jerusalem. Parce que le commencement c'est la fin. Because the beginning is the end. La parole a commencé à Jérusalem. The word began in Jerusalem. Ça se termine en Afrique. And it finishes in Africa. Savez-vous que c'est moi qui termine la parole? Do you know that I finish the word? Il y a plus d'amen. You're no longer saying amen. Et c'est toi qui termine. And you also finished the work. Ça a commencé à Jérusalem. It began in Jerusalem. Avec le fils de l'homme. With the son of man. Jésus. Jesus. Et Pierre a commencé. And Peter started. Ça se termine avec le fils de l'homme. It finished with the son of man. Aux États-Unis, William, United States, William Branham. Et celui qui a la clé. And the one who's got the key. Il connaît. And he knows. Les Africains. Africans. C'est nous qui terminons. We finish off. Les Ngomat, Ngomat, les Kayumbi, Kayumbis, les Zakola, Zakolas, et tous les peuples de Zabulon. And all the people of Zabulon. Qui voit. That sees. Pas les aveugles. Not the blind ones. Qui comprend. That understands.
Montre-moi le tableau, on va terminer. Show me the picture we're about to finish. Vous voyez? Si. C'est pour cela. That is why. Quand vous comprenez ça. When you understand this. Vous verrez que la première résurrection, il est là-bas. You see that the first resurrection took place. La définition de Jérusalem, c'est la possession ou l'habitation de la paix. The definition of Jerusalem is the possession or inhabitants of peace. De la terre. God loves that part of the earth plus que toute autre partie. More than all other parts. C'est quoi toutes les grandes richesses Dieu a mis ça là-bas. That's c'est why pas all, au Congo. That's why all the great riches God put it there, not in Congo. Les scandales c'est là-bas. Scandals are happening there. Branham dit dans la mer morte. Branham says it's there in a dead sea. Quand frère Branham avait dit, les gens avaient douté. When Branham said it, people doubted him. Et aujourd'hui on commence à découvrir. But today they're discovering it. C'est pourquoi David, c'est lui qui a fondé la capitale là. That's why David is the one that founded the capital. Et il a mis le drapeau à six branches. And he put the flag with six edges. Ce sont les deux pierres de fête. Those are the two capstones. Deux pyramides. Two pyramids. La pyramide d'église. The pyramid church. Et la pyramide de Jésus. And the pyramid church. Qui se rencontre. The pyramid church and Christ that meets. Et qui devient six branches. That have now two branches. Quand Jésus pyramide avec l'église pyramide se rencontre. When the pyramid church and Jesus come together. C'est dans l'homme. It's in a man. L'homme est Branham. Man Branham. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est un mystère. It's a mystery. Drapeau à six branches. A flag with six edges. Gabriel dit à Daniel les six pits. That's why Gabriel told Daniel the six purposes. Parce que c'est les six jours de la création. It's the 6 days of creation. C'est quoi le monde va durer six jours. That's why the world will last 6 days. 6,000 ans. 6,000 years. C'est quoi la guerre de la libération de Jérusalem a duré six jours. That's why the war of the freedom of Jerusalem lasted for 6 days. La guerre de six jours. The war of 6 days. Il a dit Daniel a reçu les instructions de Gabriel à l'an 538. Daniel received the instruction from Gabriel in the year 538. 2 years afterward, in 536, they came out. Maintenant, pendant que je termine, réveillez-vous. Now, as I'm about to finish, wake up. Je ne peux pas vous enseigner 68 ans. I cannot teach you 68 years. 69 ans et 70 ans de libération dans l'histoire. 69 and 70 in history. Je dois vous amener ça au temps. I must bring it in the present time. Maintenant, projetez-moi le tableau du temps présent. Now project in the present time. Tout ce que Dieu a fait avec Daniel, all that God did with Daniel, c'était l'histoire. It was history. C'est l'ombre. It's the shadow. C'est le type. It's the type. La réalité, c'est ici. Reality, it's here. Maintenant, comprenez ici. Now understand here. Quand vous lisez ce mystère, je termine. When you read this mystery, I'm about to finish. Il y a 68 ans. There is 68 years. C'est là où l'ange le visite. That's where the angel visited him. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Oh, dites amen. Ça c'est pas un vrai amen. That's not a true amen. Cet amen là ne peut pas choquer le diable. That amen cannot shake the devil. Dites amen. Say amen. Wonderful. Wonderful. Et à 69 ans, il méditait sur ça. And in 69, he was meditating on the captivity. 70 ans, ils sont sortis. 70, they went out. 600 et 638. 68 ans, visite par Gabriel. 68 visits to Gabriel. Il révèle 70 semaines. He revealed the 70 weeks. Qui a donné un réveil dans Daniel. Which gave Daniel a revival. Qui peut dire amen? Who can say amen? Maintenant. Now. Dans la vision de Gabriel qu'il a introduit à son associé Michael, from the vision of Gabriel that introduced his associates Michael, la saison et la vision de l'air, the season and the vision of the hour, de ce que Dieu a fait avec Daniel, with what God did with Daniel, c'est un type de ce que Dieu fera avec William Branham et l'épouse. It is a type of what God will do with William Branham and the bride. Qui peut dire amen? Who can say amen? Maintenant observez. Now observe. En 537, in the year 537, avant Jésus-Christ, Daniel était dans le réveil de ce que l'ange lui avait visité une année avant. Daniel was in a revival of what the angel revealed unto him. Et a year il était dans la méditation de la nouvelle révélation qu'il venait de recevoir les 70 semaines de Daniel. And he was in a meditation of what is from receiving of the 70 weeks of Daniel. Et en 536, 70 ans, ils sont sortis. And in 536, 70 years, he left. Dieu a répété ça aujourd'hui. God repeated it today. Avec William Branham. With William Branham. En 1878, in 1878, il y avait un juif appelé Léon Pinsker. There was a Jewish man called Leon Pinsker.
C'était un médecin juif sioniste. He was a Jewish physician, a Zionist. N'oubliez pas Sion, c'est le nom de Jérusalem. Don't forget that Zion, the name of Jerusalem. Il a eu l'idée de retourner à Jérusalem depuis qu'ils étaient dispersés au temps de Titus. He had the idea to return back to Jerusalem since they were scattered around the time of Titus. C'était un collègue de mon frère médecin qui m'avait acheté la voiture. He is a colleague of my brother, the doctor who bought me the car. C'est pourquoi il a le désir de retourner au pays. That way he has the desire to return back in the land. Why he quitte loin pour rentrer dans sa théophanie. That's why he come from afar to go back to his theophany. Amenez-moi beaucoup de médecins ici. Bring me a lot of doctors here. Je vais les enseigner la médecine du ciel. I want to teach them on the heavenly physics. Les opérer à enlever les kystes et l'hernie spirituelle. To teach them on how to remove spiritual tumor. Pour qu'ils soient en bonne santé. So that they must be in good health. C'est un collègue de notre docteur Feli. He is a colleague of our doctor Feli. Il a eu l'idée. He had an idea. Que nous devons retourner. That we need to return. Il a écrit en 1882. He wrote in 1882. Sur la judéophobie. On judéophobia. Quand on dit phobie, c'est la haine. When we talk about phobia, it's hatred. Xénophobie. Xénophobia. C'est haïr. Hatred. Que le monde nous haït les juifs. Let the world hate us, Jews. Comme Jésus avait dit. As Jesus said. Il dit, voilà son énoncé. Ça, c'est ça. Look at what he says, one of his quotes. Tout fils d'Israël, all children of Israel, doit admettre, must acknowledge, qu'il n'y a pas de salut pour Israël. There is no salvation for Israel. Tant qu'un gouvernement juif ne sera pas installé en terre sainte, cela veut dire terre d'Israël. As long as there is no Jewish governance, faites that will be established on earth, on holy ground, which means Israel's ground. C'est ce que William Branham a dit. That's what William Branham said. Dieu ne bénit jamais Israël. God doesn't bless Israel. En dehors de sa patrie. Outside of his land. C'est comme Dieu ne te bénit pas. Likewise, God cannot bless you. En dehors du message. Outside of the message. Je vais entendre un amen. On a dit amen. Alors. Then. Les idées du médecin là. The idea of that doctor. Retenez la date là. Keep in mind the date. I want Theodore X. Anointed Theodore X. En 1897. In 1897. Il a appelé le premier congrès des sionistes. He called the first congress of Zionists. Il a fait ça en Suisse, en Europe. He did it in Switzerland, in Europe. Et il a dit. And he said. Après le congrès. After the congress. J'ai donné naissance au futur État juif. I gave birth to the future Jewish state. Il peut venir dans 5 ans. They can come in 5 years. Ou dans 50 ans. Or 50 years. Tout le monde le verra. Everyone will see it. Et tel qu'il avait dit. And as he said it. C'est accompli en 1946. It came to pass in 1946. Cela est signé comme une nation. It's now signed as et a nation. En 48, David Ben-Gurion l'annonce. And in 1948, David Ben-Gurion announces it. Continuons maintenant. Let us carry on. Nous voyons que 68 ans. Now we see that 68 years. Depuis que le médecin là avait dit en 1878, since that doctor says in 1868, c'est merveilleux. It's wonderful. Jusqu'en 1946, until 1946, c'est exactement 68 ans. It's exactly 68 years. Qu'est-ce qui est arrivé avec Daniel à 68 ans? What happened with Daniel in 68 years? Gabriel l'a visité. Gabriel visited him. Un ange visita un prophète. An angel visiting a prophet. C'est pourquoi la même année. That's why the same year. Il y a eu la conclusion de la commission anglo-américaine. There was a conclusion of the commission of Anglo-American. Signé pour un état juif. Signed for a Jewish state. Et le 6 mai, le drapeau ici a été élevé à Jérusalem. And the 6th of May, the flag. Was risen up. Celui qui a soutenu ça, c'est le président américain appelé Truman. The one who supported it was an American president called Truman. Il voulait le soutien de la communauté juive. He wanted the Jewish support. Il dit qu'il faut qu'on leur signe un état. They must sign a state unto them, he said. Combien d'années? 68 ans depuis 1878. It's 70 years since 1878, 1876. C'est pourquoi
quand le soleil se levait là le matin. That's why when the sun was rising in the morning, le 6 mai, the 6th of May, le drapeau est élevé, the flag is risen, le soleil se couche aux États-Unis, the sun is setting in the United le States, soir là, le 7 that mai, evening of the 7th May, à 11h de la nuit, at 11 p.m., Branham était en train de prier dans Grist Mill. Brother Branham was praying in Grist Mill. Comme Gabriel avait visité Daniel quand cela était 68 ans. As Gabriel visited je vois les Daniel, in 68 years, l'ange aussi, the angel also, plus que Gabriel, this time more than Gabriel, il vient visiter William Branham, come to visit William Branham, le vrai Daniel, the true Daniel, pour lui donner, to give him, Branham dit, je reçois mon ordre de mission. Branham says, I got my missionary order. Que tu es né pour amener la commission. And la gave commission. Him the commission. J'ai reçu ma commission. J'ai reçu mon ordre de mission. I gave also my commission, my order of commission. Qui peut dire un grand merci? You can say big amen to that. Vous voyez que l'histoire se répète. You see now the story repeats itself. Et Dieu lui donne les trois mots que la Bible aucune personne ne connaît. And God gave him the three key words of the Bible which no one se knows. Se réveille là de la visite de l'ange fleuri. Now. That revival of the visit of the angel. Frère Branham, à 69 ans depuis le temps là de 1878, il commence à propager ça en 1947. At the 69th year now, since 1946, is that not L'ONU about 1947? A voté le 181e plan de partition. Now, the UN spoke about the 181st plan of partition. Pour diviser Palestine en deux États, palestiniens et juifs. To divide Palestine into two of a Jewish and a Palestine state. Pour accomplir Joël 3. To fulfill Joel 3. Que je me mettrai en colère contre les nations d'avoir divisé mon pays. I'll be angry with the nation for dividing my land. Et Jérusalem, accomplir Zacharie de Jérusalem deviendra une pierre pesante. And to fulfill Zechariah 12, which states that Jerusalem will be a burdensome stone. Quand les Juifs tuent les Palestiniens, nous on se réjouit. When the Jewish are killing Palestinians, we are rejoicing. Vous avez entendu l'amen? Ce n'est pas le pays des Palestiniens. It's not Palestinian land. C'est le pays des Juifs. It's for the Jewish. Qui peut dire amen? Who can say amen? Nous nous soutenons toujours les Juifs. We always support the Jewish. Maintenant, la même année en 1947. The same year. In 1947, parce que Dieu marche un aile chez les Juifs, un aile chez les nations. As God walks along, one wing to the Jewish, another wing to the nations. Dieu dit à Branham. God said to Branham. À cause de la visitation de 46. For the visit of 46. Un réveil commence. A revival starts. Enregistre le message. So record the tapes, the message, your preaching. En 47, le message a commencé à être enregistré. And in 1947, Branham's message started to be recorded. Et remarquez. Le 14 mai 1948. Now notice, the 14th May 1948. C'est exactement 70 ans. It's exactly 70 years. Depuis 1878. From 1878. David Ben Gurion. David Ben Gurion. C'est lui que vous voyez ici. That's the man you see there. Il programme officiellement. He officially announces. L'État juif. Jewish state. Qui peut dire amen? We can say amen. C'est l'accomplissement de Matthieu 24:32. This is the fulfillment of Matthew 24:32. Jésus a dit quand vous verrez le figuier bourgeonner. Jesus said, when you see the fig tree budding up. Cette génération ne passera point. That generation will not pass by. Et une génération c'est 40. And a generation is 40 years. Pas un Jésus que vous attendez après 86. There is no Jesus that you be waiting for after 86. C'est pourquoi nous les éclairer. That's why we the enlighten. Il est descendu dans la nuit. He has descended in the clouds. Branham dit voici son nez. Branham says look at his nose. Il dit je vous avais lu l'écriture. He says I read unto you the scriptures. Avec une douzaine d'évidences. With a dozen of evidence. Que nous vivons dans les derniers jours. That we are living in the last days. La génération. The generation. Qui verra Jésus Christ. That will see Jesus Christ. Retourner sur la terre. Coming back on il earth. Dit, aujourd'hui. He says today. Cette écriture. This scripture. Est is fulfilled. Mais vos pasteurs vous disent c'est pas accompli. Now your pastors are telling you that it's not yet fulfilled. Vous voyez qu'ils sont comme Ananias. You see that they're like Ananias. Ils doutent de la prophétie. They are doubting the prophecy. Et remarquez le nom de ce monsieur, c'est David. Now notice the name of this man is David. Ben Gurion. Ben Gurion. David, le fils du lion. David, the son of the lion. Le roi David était dans la tribu de Judas, la tribu du lion. David, the king David was in the tribe of Judah, the tribe of the lion.
Depuis qu'ils étaient dispersés. Since they were scattered. Oh, le message est goût. The message is wonderful. C'est lui qui l'annonce. The one that announces it. Son nom aussi c'est David. His name is also David. Et il élève le drapeau de and David. He lift up the flag of David. Et Israël est devenu and Israel became a nation. Combien peut dire? How many can say amen? Maintenant. Now. Dieu. God. Reprend ça encore. Ici c'est pour repeat it vous. Again here. This is not for you. Avec l'épouse. With the bride. Depuis 48. Since 1948. Jusqu'en 2016. Until 2016. 68 ans. 68 years again. De visitation. Of visitation. C'est quoi vous voyez que that's why you see that Dieu a montré ça dans les tétrades. God showed it now with the tetrads. Je vous avais annoncé les tétrades. I announced it. I announced the tetrads. Le docteur m'a aimé. The doctor now loved it. Je vous avais prêché les tétrades. I preached unto you tetrads. Que de 2014 à 2015 that from 2014 up to 2015 il y aura la succession des éclipses. I told you we're going to face succession of eclipses. Qui se passeront dans la fête de Pâques jusqu'à la fête des tabernacles. Take over, will take place on the Passover feast up until the tabernacle feast. La science appelle ça éclipse. Scientists are calling this event. Mais eclipse. Joël 3. But Joël 3. Joël 2, pardon. Joël 2. Acte 2. Acte chapter 2. Jésus aussi dans Matthieu. Jesus also in Matthew. Il dit quand vous verrez la lune en sang. He said, when you see the moon into blood, et le soleil ne donnera plus sa lumière, and the sun will not give forth his light, c'est le signe que le monde est à la fin. He says that is the sign that the world has reached the end. Et cela est tombé dans les fêtes juives. There it is in the Jewish Passover feast et la fête des tabernacles. And the tabernacle feast. La première fête c'est Pâques, la dernière fête c'est tabernacle. C'est ainsi. The first feast is the Passover, the last one is the tabernacle. Take my teaching on this one. Quand cela se termine, when it finishes, c'est un signe au ciel. It's a sign in heaven. Nous entrons en 2016. We get into 2016. 68 ans. 68 years. Dieu va nous visiter. God will visit us. L'ange qui était toujours avec nous. The angel that was always with us. Il commence à nous visiter d'une manière spéciale. He is now visiting us in a special way. C'est pourquoi pour donner la preuve. That's to give the proof. Branham est déjà parti. Branham is already gone. Une prophétie de Branham. A prophecy of Branham. Donc moi comme Daniel. Now me as Daniel. Je suis resté fidèle. I remain faithful. Il dit un jour mon fils prendra says, ma place. One day my son will take my place. Et Joseph est devenu pasteur. And Joseph became pastor. Je m'étonne, cela n'a pas fait réjouir les frères à Kinshasa. I astonish myself, this not rejoice brothers in Kinshasa. Et ceux qui écoutent les vidéos. And those that are listening tabernacle to the videos. Vidéo. Tabernacle videos. Moi, je suis Daniel. But I'm Daniel. Et toi qui es en bretelle, tu es Daniel. And you also here, you are Daniel. Tu as peur de dire amen. You are scared to say amen. Et mon interprète est Daniel. Amen. Et vous, vous êtes Daniel dans le spirituel. And you are also Daniel in the spiritual. Quand Joseph devient pasteur, when Joseph became a pastor, nous on était restés fidèles. We remained faithful. À la prophétie. To the prophecy. Que il va le devenir. And he will become it. Quand nous le voyons devenir pasteur, when we see him now becoming a pastor, au temps de tétrade, continuons. In the time of tétrade, carry on. Ça a amené un réveil dans nos âmes. It brings a revival in our soul. Et observez que, amen. Now observe. Après cela, after that, la même année 2016, the same year 2015, pendant que les young 2016, sont dans le réveil de la prophétie de Joseph accompli, while the young people are in a revival of the prophecy of Joseph fulfilled, Amérique reçoit un président du nom de trompette. America received a president by the name of trumpet. Et il est le 45e. And he's the 45th president. Vous le trouvez dans Isaïe 45:1. Now you find him in Isaiah 41:1. 45:1. C'est un type de Cyrus. He is a type of Cyrus. Et le même année, the same year, le Sanhédrin juif. The Jewish Sanhedrin. Parce que le Sanhédrin est constitué de 70 membres. Because Sanhedrin is constituted of 70 members. Always 70. Guilain que Dieu te comble. Guilain may God fulfill you up. Les Sanhédrin d'Israël ont écrit à Trump. The Jewish Sanhedrin wrote to Trump and Putin. Aidez-nous à reconstruire le temple. They said to them, help us to rebuild the temple. Voici notre maquette. There is the blueprint. C'est un signe. It's a sign. Que quand nous regardons. That when we look into it. Le temps de sortir est arrivé. The time of coming out has returned. De quitter ce Babylone. For us to come out of this Babylon. Cette fois-ci c'est pour aller au ciel. This time is to go to heaven. Maintenant. Now. Ça c'est 2016. That is 2016. Nous avons vécu là dans le réveil. We lived there in a revival. De 68 ans. Of 68 years. Comme Daniel. Like Daniel. Cette année. This year. C'est
2017, is 2017, Daniel se réjouissait. Daniel was rejoicing dans un réveil. In a revival. Ramenez-moi le tableau que j'explique. Bring me back the picture I'm explaining. Dans le réveil, in a revival, de ce que nous avons vu. Of what we have seen. C'est pour cela. That's why. Observez que 2017, observe now that 2017, 17 c'est visitation. 17 is visitation. Observez ici que, observe here that, il y a un mystère. There is a mystery. Trump a promis aux Juifs. Trump promised to the Jewish que je vais déplacer l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv pour l'amener à Jérusalem. That I will move out the embassy of the United States from Tel Aviv to Jerusalem. Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Jerusalem is the eternal capital of is the eternal capital. C'est un grand signe. It's a great sign. C'est pour cela. That's why. Montez ça. Go up. Nous voyons que en 2017, we see now that in 2017, ce président appelé trompette, this president called trumpet. Madame dit chaque nom a l'influence sur vous. Madame says each name has got an influence upon you. Qui peut dire amen? Who can say amen? Oh, la trompette de 1 Corinthiens 15. Wow, the trumpet of 1 Corinthians 15. Et 1 Thessaloniciens 4. And 1 Thessalonians 4. C'est ce message. It's this message we believe in. Qui va nous enlever. That will rapture us. C'est un signe. It's a sign. Et son premier voyage officiel. And his first official flight or travel or journey. Réveillez-vous. Wake up. Il dit, je vais visiter l'Arabie Saoudite. He said, I'll visit South Arabia. Je vais parler aux musulmans. I'll speak to Muslims. J'irai à Jérusalem. I'll go to Jerusalem. Pour parler aux Juifs. To speak to the Jews. Et j'irai au Vatican. I'll go to Vatican. Pour parler au Pape. To speak to the Pope. Et j'irai en Europe. And I'll go to Europe. Parler de l'économie. To speak about economy. Bon, les pasteurs du message. Now, pastors in the message. Qui ne sont pas fidèles à Branham. They're not faithful to Branham. Ils trouvent ça un voyage normal. They find it as a normal flight. Mais nous, comme Daniel, but we as Daniel, nous étudions ça. We are studying it profondément, deeply. Nous trouvons déjà la carte de la fin. We finding there already the last card of the end. Parce que les musulmans c'est eux qui ont construit la mosquée. Because Muslims are the one that built the mosque. L'Amérique et le Vatican doit aider les Juifs. America and the Vatican must help the Jews à convaincre les musulmans, to convince the Muslims que ils sont déjà mec, that they've already put mec. They must leave Jerusalem to the Jews. Et les Juifs vont détruire la mosquée. And the Jewish will demolish the mosque. Il parle, il a parlé profondément aux musulmans. He spoke deeply to the Muslims. Il est parti parler au premier fils de d'Abraham. He went to speak to the first child of Abraham. But remember, he was an illegitimate child. Voilà. Il faut la chasser. You need to chase it out. Chasse il revient out. Chez le deuxième fils. He comes to the second son. Or Isaac aussi premier fils. Isaac is also the first son. Savez-vous ça? Do you know that? Non, vous ne savez pas. You don't know that, eh? Ismaël est le premier fils d'Abraham. Abraham. Ishmael is the first child of Abraham. Abraham. Mais Isaac est le premier fils d'Abraham. But Isaac is the first child of Abraham. Dites amen. Say amen. Avez-vous déjà vu dans une famille deux premiers nés? Have you ever seen a family two firstborn? Well, le frère du message croit le premier message. Ça c'est où là il était Branham. There he was Branham. Le premier pull. The first pull. Moi je suis pas né là. I wasn't born there. Ismaël. That's what Ishmael. Sauvage. Rough, wild. Mais nous, on attendait Elohim. But we're waiting for Elohim. Nous, on vient après Elohim. We come after Elohim. Après la nuée. After the cloud. C'est là où vous venez. That's where you come from. Alors, then, il arrive en Israël. He arrived in Israel. C'est le premier président américain en exercice. First president, American president in exercice. Il a fait un acte qu'aucun président peut faire. He did an act no president can do. Lui ne connaît pas la politique. Il s'en fout de vous. Politique. He doesn't care about you. Il part jusqu'au milieu de la. He goes up until the walls of Lamentations. Il portait le chapeau de Juif. He put the Jewish cap. On appelle ça kippa. They call it kippa. Vous connaissez pourquoi il porte? Do you know why he wears that? Parce que Dieu est le plus grand. Because God is the greatest. Mais il devient petit, but he becomes little. Mais il est au-dessus de tous les but he's above all men. Alors, then, il met les mains, and he lays his hand
dans les murs de la on the walls of Lamentations. En train de prier comme un juif. Praying like a Jew. Seigneur, aidez les juifs à reconstruire. Lord, help the Jews to rebuild. C'est un signe. It's a sign. Que c'est la fin. That is the end. Et il quitte là. And he leaves there. Il va voir. He goes to see. Qui est le troisième fils? Who's the third son? Jésus. Jesus. Qui peut dire amen? We can say amen. Mais Jésus est le premier toujours. But Jesus is still the first. Mais maintenant il y a un faux représentant de Jésus, le but pape. But now there is a false representative of Jesus, the Pope. Il rencontre François. He meets Francis. Le Vatican. Vatican. La bête. The beast. L'antichrist. The antichrist. Dites amen. Say amen. Et après. And afterward, il parle avec lui sur la reconstruction. He speaks about the reconstruction. Il with part him. En Europe pour parler de l'économie. He goes to Europe now. He speaks about the economy. Les événements de la fin du monde sont là. Now, those are the events of the end of the world. Branham dit l'économie. Branham says the events are economy. Les problèmes des musulmans et des juifs. Muslim problem of the Jews. Et de la reconstruction du temple. And the reconstruction of the temple. Mais nous voyons ça. But we see it. Les frères ont oublié le livre de Jérémie. Brothers forgot the book of Jeremiah. Ils sont busy dans leur construire les églises. They are busy building up churches. Alors, then, quand il finit, when he finishes, la même année là, that same year, cette année, this year, il y a eu un autre signe. There was another sign. Le 15 janvier 2017, 15 January 2017, les représentants de 70 pays, the representative of 70 countries, se sont rencontrés à Paris. They came together in Paris pour condamner Israël. To condemn Israel. Oh! Why? Joël avait dit ça. Joel said it. Zacharie avait dit ça. Zachariah said it. Toutes les nations, that all the nations, se rassembleront, will gather contre Israël, against Israel. Oh, le nombre 70, while number 70, c'est toutes les nations, is the entire nations, depuis les 70 petits-fils de Noé, from the 70 little children of Noah, c'est un signe, it's a sign, que c'est la fin, that is the end. Et Dieu a dit, and God said, quand ils se rassembleront, when they will gather contre Israël, against Israel, Michael se lèvera, Michael will rise, lui le défenseur, he the defender, de l'armée de mon peuple, of the army of my people. Mais Branham a dit maintenant, but Branham says now, ainsi dit le Seigneur, that said the Lord, quand ils deviendront une nation, when they become a nation, l'épouse sera là, the bride will be there. 46-48 nous sommes là, 46-48 we are there. Il a prophétisé, he prophesied, que Ismaël et Isaac, that Ishmael and Isaac, se battent pour Jérusalem, are fighting for Jerusalem. Mais Isaac va le prendre, but Isaac will take it. En 67, in 67, dans la guerre de 6 jours, in the war of 6 days, Isaac a pris Jerusalem. Les Juifs, the Jewish. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Branham dit maintenant, Branham says now, la chose qui reste, the remaining thing, c'est de reconstruire le temple, is to rebuild the temple. Il dit quand ils reconstruiront le temple, he says when they will rebuild the temple, l'épouse sera partie. The bride will be gone. L'épouse ne sera plus là. The bride will not be there anymore. Et nous sommes là. And we are here. Tu es encore un rétrograde. You are still a backslider. Tu ne veux pas venir à l'église. You don't come to church. Tu es perdu ou comment? Are you lost or what? Quand Daniel a vu ça, when Daniel saw this, il s'est réveillé. He woke up. Église, réveillez-vous, il y a plus de temps. Church, wake up, there is no more time. C'est pour cela, allons rapidement pour terminer. Let's go quickly to finish. Tu vois, ici en 2017, you see now we are in 2017. Nous sommes 500 ans depuis la réforme de Luther. It's 500 years since the reform of Luther. Le début de la restauration. The beginning of restoration. Et 500, c'est le nombre de l'enlèvement. And 500 is the number of the rapture. David avait 500 femmes. David had 500 children. 500, c'est une autre dimension. 500 is another dimension. Et depuis 1917, since 1917, le général Allenby a donné Israël aux Juifs, frère Branham. General Allenby gave Israel to Jewish. Celui qui entre là-bas. He is the one coming in there. 50 ans après, 50 years after, selon les jubilés, according to the jubilee, la guerre de 6 jours, the war of 6 days, le général Moshe Dayan, the general Moshe Dayan, le général Narkis Uzi, and the general Narkis Uzi, ils ont repris Jérusalem. They took over Jerusalem. 50 ans après, 50 years after. Maintenant, now, 2017, c'est 50 ans après, 50 years after. Je ne sais pas, I don't know. Mais comme Daniel, as Daniel, est-ce l'année de la reconstruction is du temple? Is it the year of the reconstruction of the temple?
Monsieur, quelle heure est-il? Sir, what time is it? 70. 70. Ça tombera 2018. It will be 2018. Depuis 1948. Since 1948. Israël est une nation depuis 1948. Israel is a nation since 1948. Est-ce la fin des temps? Is it the end of time? Monsieur, quelle heure est-il? Sir, what time is it? Pendant que tu ne viens pas à l'église. While you don't come to church. Parce qu'ils vont détruire ça. Because they're going to demolish that mosque. Pour reconstruire le temple. They will demolish this so that they can rebuild the temple. Et Abraham a dit quand ils vont reconstruire. And Abraham says when they rebuild. Nous nous serons partis. We will be gone. Quelle heure est-il? What time is it? C'est pour cela. That's why. Pour terminer. To finish off. Frère Branham a dit. But Abraham says. Dans les instructions de Daniel Gabriel 150 à 160. In the instruction of Gabriel to the Daniel 160. La fête des trompettes 285 à 291. The feast of trompettes 285. Reconnaître les jours de son message 208 à 215. Recognizing the message. Je m'arrête là. I'm gonna stop here. Frère Branham dit je crois. But Abraham says I believe. J'ai une mission avant de mourir. I've got a mission before I go. De ramener Israël au Seigneur. To bring Israel back to the Lord. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Il dit parce que. He says because. La même année ils sont devenus nation. The same year they became a nation. L'ange m'a visité. The angel visited me. Il dit deuxième chose. He says second thing. Parce qu'en tant que Malachi 4, as Malachi 4, je ramène le cœur des enfants au père. I bring back the heart of Israel to the father. Qui peut dire amen? Who can say amen? Il dit troisième chose. He says thirdly. Avec le discernement. With the discernment. Si j'arrive en Israël. If I arrive in Israel. Ils croiront. They will believe. C'est le signe du Messie. It's the sign of the Messiah. Cette citation-là a mis beaucoup de frères en erreur. Réveillez-vous. Many quotations brought brothers in a mistake. Wake up. I'm asking. Et frère Branham, le frère Lewis Petrus. But Branham also Lewis Petrus. Il a distribué le Nouveau Testament. He gave out the New Testament. Aux Juifs. To the Jewish. Et il a dit frère Branham va à Jérusalem. And he said brother Branham go to Jerusalem. Réveillez-vous. Wake up. Frère Branham a pris le billet. Brother Branham took a flight. Pour aller à Jérusalem. A ticket to go to Jerusalem. Il arrive en Égypte. You arrive in Egypt. Changer d'avion. To change a flight. Il était là dans la salle d'attente. He was there in a waiting room. Il était en train d'acheter quelque chose qui était comme l'ivoire. Something that was like ivory. J'ai une révélation là-dessus. I've got a revelation on that. Quelque chose lui dit. Something tells him. 30 minutes avant de monter dans l'avion. 30 minutes before he goes to the plane. Il ne se sent pas bien. He wasn't feeling well. Il va prier 5 secondes. He goes and pray. Lord, watch out. Je lui dis, n'y va pas. God told him, don't go there. Ce n'est pas le moment. It's not the time. Ce n'est pas l'heure. It's not the hour. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et frère Branham a changé le billet. And Brother Branham changed his ticket. Il est parti en Inde. He went to India. Maintenant. Now. Beaucoup de frères quand ils lisent ça. Many brothers when they read that. Dieu lui a dit ce n'est pas le moment. God told him it's not the time. Dites amen. Say amen. Ça c'est doctrine. This is the doctrine now. Ce n'est pas l'heure. It's not the hour. Si on dit ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure. Meaning if it's not the, we say it's not the moment, it's not the l'heure hour. Viendra. Meaning the hour shall come. Qui peut dire amen? Who can say amen? Maintenant il prie encore. Now he prays again. Dans la fête des trompettes. In the feast of trumpets. Il dit que vous voyez. He says you see. J'avais une pensée humaine. I had a human thought or idea or mind. Je voulais aller là-bas. Dit, voyez-vous un homme? I wanted to go there. You see, he said, do you see a man? Mais Dieu dit que ce n'est pas le moment. But God said it is not the time. L'iniquité de Samoréen. The iniquity of Amorian. N'est pas encore à son comble. It's not yet in the fullness, the climate. Il faut que le conseil œcuménique arrive au full. The ecumenical council must reach the climate. L'homosexualité au full. Homosexuality must reach the climate. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Mais les frères n'ont pas étudié. But brothers did not study them. Ils croyaient que Branham ira sceller les 144,000. They believe that Branham will go and seal up the 144,000. Je termine pour détruire ça. And I finish up by destroying that. Quand vous lisez reconnaître les jours et son message. When you read the sermon, recognize your day and its message. Là maintenant, Branham est précis. Then Branham is precise. Il dit ce n'est pas seulement que ce n'est pas le temps. He says, not only that it's not the time, mais Dieu m'a encore ajouté, God added to me again and said, que ce n'est pas ta place. That it's not your place. Dites amen. Say amen. Sceller les 144,000. Seal up the 144,000. N'est pas la place de Branham. It's not William Branham's place. Il dit, c'est pas l'Élie de Malachi 4. He says, it's not Elijah Malachi 4. Élie d'Apocalypse 11. Elijah of Revelation chapter 11. Qui viendra avec Moïse. Will come back with Moses. Ce ne serait pas un homme des nations. It won't be a man of Gentiles. Ce ne serait même pas l'esprit d'Élie dans un juif. It won't be the spirit of Elijah in a Jewish. Mais le même Élie reviendra. But the same Elijah will come back. Le même Moïse reviendra. The same Moses will come back. Ce sont les deux. Those are
are the two qui vont sceller. That will seal up. En ce moment-là, and at that time, l'épouse sera au ciel. The bride will be already in heaven. Parce que because Dieu ne peut pas traiter avec les Juifs. God cannot deal with the Jewish. Au même moment avec les nations. The same time with the Gentiles. Parce que because Joseph est le type de Jésus. Is the type of Jesus. Ses frères l'ont vendu. His brothers sold Joseph. Les Juifs ont vendu Jésus. The Jewish sold Jesus. Il est venu chez nous en Égypte. And Jesus came to us. Il épouse une femme égyptienne. He married an Egyptian woman. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est nous l'église. We are the church. Et il porte les habits égyptiens. And he put on Egyptian garments. Il parle la langue égyptienne. He speaks Egyptian language. Jésus a porté un habit appelé Branham. Jesus put on a garment called Branham. Et il ne parle plus l'hébreu. And he's not speaking Hebrew. Il parle en anglais. He's speaking in English. Maintenant, now, quand les frères le voient, when brother sees him, il ne sait pas que c'est lui. They don't know that it's him. Ça c'est la première part. This is the first part. Mais, but pour se révéler, to reveal himself à ses frères, to his brother, que c'est moi, that it's me, qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il doit enlever, he must take out, les habits égyptiens, Egyptian garments. Il enlève Branham de la scène. He removes Branham from the scene. Branham est rentré à la maison. Brother Branham goes home. Ah, pas seulement enlevé. Not only removing him. Il prend sa femme. He takes his bride. Il va dans la chambre. He says, go in the chamber, il the room. Prend l'épouse. He takes the bride. 3 years and a half. 3 years and a half in the heaven. Alors il reste. And he remains alone. Et Joseph a dit, then Joseph says, c'est moi votre frère. It's me, your brother. Jésus se révélera aux 144,000. He will reveal to the 144,000. Nous serons au ciel. While we will be in heaven. Mais, but nous vivons les derniers préparatifs. We are living the last part. C'est pour cela, mes frères. That's why, brethren. Moi aussi. I also. Comme Daniel. As Daniel. Je comprends par les citations de Branham. I understand by the quotation of Branham. Je comprends par les brochures. I understand by the brochures. Que nous sommes au temps de la fin. That we are at the end time. Je comprends. I understand. Par les bandes et les brochures. By the tapes and brochures. Que depuis 1977. Since 1977. 2017, c'est 40 ans. 2017, it's 40 cette years. Cette génération ne peut plus passer. This generation cannot pass by. Je comprends. I understand. Que Billy Paul, that Billy Paul, le fils à papa, the son of daddy, le témoin de la destruction de Los Angeles, the witness of the division of our youth, amen, 82, is now 82 years. Le temps est fini. The time is over. Je comprends. I understand que Joseph, that Joseph a remplacé Branham. Has replaced Branham. Le temps est fini. The time is over. Je comprends. I understand que Poutine, that Putin, amen, la bombe Satan 2, has got the bomb Satan 2. Il va bombarder les États-Unis. He will explode United States. Et les États-Unis. And United States. Je comprends. I understand que la reconstruction du temple, the reconstruction of the temple, est prête. Is closer. Je comprends. I understand. Il y aura des faux pasteurs. There will be false pastors. Dans ce message. In this message. Ils vont renier Branham. They will deny Branham. Ils se feront un groupe de successeurs. They will make a group of successors. Et c'est la folie. And it's foolishness. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ils sont data et courage. They are data and courage. Ils veulent devenir comme Moïse. They want to become like Moses. Mais je comprends aussi. But I understand also. Que les young people viennent. That young people will come. On va leur dire descendez. And we'll tell them come down. Ce n'est pas votre place. It's not your place. Je comprends. I understand. Le cheval de Canada. That the horse of Canada va pousser le will cheval push de Branham. The horse of Branham. Mais Branham va parler. But Branham will speak. Que descendez. That descend. Avec autorité. With authority. Je comprends. I understand, brother. Il y aura des faux frères. There will be false brothers. Que Judas moderne. That modern Judas sera musicien. Will be a musician. Parce que. Because. Est-ce que vous me suivez? That you following me? Elvis Presley. Elvis Presley. Trahiront le message. Will betray the message. Je comprends. I understand. Que les frères du message. That brothers of the message. N'auront plus l'amour vrai. Will no longer have the true love. Ils vont te suivre quand tu as l'argent. They will follow you when you have money. Vous voyez les musiciens? You see musicians? Tu pars à Durban. You go to Durban. Belles était notre vieux. Belles was our elder. Comme tu es parti. But when you went, Mbouye était nos vieux. He was our elders. Sans même visiter sa femme. Without even visiting his wife, the widow. Pourquoi tu as l'amour? Why do you have love? D'avoir une petite église. Of having a little church. Mais l'épouse. But the bride. A l'amour vrai. Has got true love. Il est temps que nous puissions commencer à s'aimer. It's time for us to start loving one another. De la bonne manière. Of the good way. Je comprends. I understand. C'est les faux pasteurs. The false pastors attaqueront Joseph. Will attack Joseph. Ils diront il est qui? They will say who is he? Ils diront est-ce que c'est Simon Kimbang? They will say is it Simon Kimbang? Mais moi par les écritures. But as by scripture. Je sais que ce n'est pas Branham qui l'a choisi. I know that it's not Branham that chose him. Est-ce que vous croyez? Do you believe it? Il dit ce n'était pas moi. He says it wasn't me. Toi Dieu. You God. Tu as dit. You said. Qu'il est prophète. That is prophet. Je comprends. I understand. Et en ce moment-là. That at that moment. Les young people. Young people. Les noirs. The black. La reine du sud. The queen of the south. Se lève. Will rise. Je comprends que. I understand that. Cette confusion, in this confusion, vous, you, vous serez des croyants. Will be believers. Vous aurez la joie you de la have parole. The joy of the word. Et vous allez vous lever. And you will rise. Avec des richesses. With wealth. Pourquoi? Why? Le même membre. The same angel. Qui a visité Gabriel? That visited Gabriel. Qui change? That changes.
qui devient Elohim. That becomes Elohim. A visité Branham. Visited Branham. Mais voici dans 69. And here we are in 69 years. Le même ange est ici. The same angel is here. Et je défie chaque and I problème. Challenge each problem. Je m'en fous de ton problème. I don't care your problem. Si tu crois ce que j'ai dit, if you believe what I'm saying, lève-toi là où tu es. Stand up where you are. Lève simplement ta main. And only lift up your hand. Dis-tu, Seigneur. And say, Lord. Ne priez même pas. Don't even pray. Je dis pas de prière. Today there is no prayers. Mais c'est la foi. It's faith. Dis-tu, Seigneur. Say, Lord. Je crois. I believe. Que l'ange du Seigneur. That the angel of the Lord. Est ici. Is here. Je crois. I believe. Et je crois à Branham. I believe in Branham. Et dis seulement ton problème. Only speak your problem. Que le même ange, let the same angel agisse ce matin. Ask this morning. Si ton bébé était mort, if your baby was dead, par ma salutation, by my greeting, je vous ai salué pendant 2h30. I have greeted you for 2:30. Faut que votre bébé ressuscite. Your baby must resurrect. Même si tes affaires étaient mortes, even if your business was dead, par la salutation, by the greeting. Pourquoi? Why? Toi, tu es le bien-aimé. You are the beloved one. Est-ce que tu crois à l'ange? Do you believe the angel? Voici les instructions. Behold the instructions. De Gabriel, of Gabriel à Daniel, to Daniel. Voici les instructions. Behold the instructions de l'ange puissant of the mighty angel à William Branham, to William Branham. Voici les instructions. Behold the instructions de l'ange of the angel of the church à l'ange local, to the local church. Voici les instructions. Behold the instructions de l'ange local of the local church à l'église, to the church. Voyez-vous que je suis un ange? Believe that the angel. Frère Branham me dit, Frère Branham says, votre pasteur, your pastor, quand il se tient à la when chair, he's standing on the pulpit, il est qui? Who is he? L'ange du Seigneur. The angel of the Lord. Ce matin, this morning, je suis plus que Gabriel. I'm more than Gabriel. Et vous, and you, vous êtes les bien-aimés. You are the beloved one. Si tu avais le sida, if you had HIV, le cancer, cancer, la maladie, sickness, quoi que ce soit, whatever it might be, ne prie pas. Don't pray. Lève la main. Lift up your hands. Dites que je crois. Say I believe. Pendant que nous chantons, while we're singing, les nations.